Salut à vous et bienvenue dans le workshop d'aujourd'hui. Le but? Bouger des drones. Ouh! Bouger des drones, c'est pas si difficile que ça en fait. C'est vraiment bouger horizontalement, pop, 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 vers devant, derrière, au-dessus, en bas, et sur l'horizon, ici, sur l'axe des Y, la hauteur. Et donc en fait, un drone, c'est pas si compliqué que ça. On doit juste bouger et tourner. Et ça va nous permettre du coup d'apprendre un petit peu comment Unity fonctionne. Ici, nous allons essayer de faire ce jeu-là, donc en Scratch. Donc on va pas commencer sur Unity, parce que comme je dis ici, il y a deux façons de commencer. Soit votre ongle, il vous jette dans l'eau et il fait « Allez, nage !» Soit vous allez dans le petit bassin avec une bouée, vous sentez la température, vous faites une petite brasse et au fur et à mesure, on vous apprend à nager. Moi, je vais vous apprendre à nager, parce que ici, si je vous balance comme le vieil ongle dans l'eau, je risque de vous noyer. Pour pouvoir apprendre à nager, on va utiliser le logiciel Scratch, enfin le site web Scratch, qui permet de faire des jeux. Par exemple, ici, comme vous pouvez voir, on a un petit jeu. Si vous voulez voir l'intérieur du jeu, vous cliquez sur See Inside. Il va falloir que vous créez un compte sur Scratch. Et ici, si je pousse sur Play, hop là, on a un magnifique vaisseau. Ce magnifique vaisseau, il avance et il doit éviter des petites boules qui apparaissent. Et bah basiquement, voilà, c'est ça l'idée. Alors vous entendez pas, mais le bruit du jeu fait à chaque fois que ça change de scène. Bon, tout ça pour dire, ça, en Unity, c'est extrêmement compliqué. C'est pas compliqué, compliqué, mais quand vous débutez, c'est très compliqué. Alors que sur Scratch, c'est pas compliqué. Hein. On a un petit personnage ici, un petit vaisseau. Et ce vaisseau, comme vous pouvez voir ici, il y a ce qu'on appelle des boucles de conditions. En gros, on dit « Hey, quand le jeu y commence, pour toujours, peux-tu vérifier si le drone il est touché ?» S'il est touché, t'envoies un message comme quoi il est touché. Tadam ! Et tu le changes de position. Si jamais il est touché par Battleship, ce truc-là, il meurt aussi. S'il est touché par la couleur, c'est la couleur verte de mon objet, est touché par une couleur rouge, donc ça, je suis aussi considéré comme touché. Tadam ! Alors pour me déplacer, c'est juste je dis, quand le jeu commence, pour toujours, je décide de dire que si on pousse sur la flèche de gauche, je tourne un peu à gauche. Si je pousse sur la flèche de droite, je tourne un peu à droite. Si je pousse vers l'avant, je vais vers l'avant. Tadam ! Magnifique. C'est compliqué à l'informatique. Alors, j'aurais peut-être pu mettre un wait pour contrôler la vitesse, pour éviter que je sois dépendant du framerate, comme on dit. Mais en soi, on s'en fout un peu. Et donc voilà, on a un magnifique vaisseau et qui bouge dans l'environnement. C'est aussi con que ça, Scratch. Hein, c'est... Waouh! Alors, le petit bout de code que vous voyez ici, ça et ça, c'est ce qu'on appelle le scope, la portée du code. Elle n'existe que dans mon petit bonhomme joueur, qu'on pourrait appeler un objet joueur. Donc par exemple, pour le vaisseau là-bas, si on clique dessus, on a le code du vaisseau. Donc le vaisseau ici, comme vous pouvez voir, il est mis « Quand le jeu commence, pour toujours, tu définis la position de mon vaisseau en X et Y. Spaceship in. Et du coup, c'est là que je suis. » C'est là qu'on veut être. Et alors, ici, je dis... Ah oui, ça c'est juste pour qu'on puisse avoir accès à la position du vaisseau. Donc en gros, ça nous donne accès à la position du vaisseau. C'est ce qu'on appelle une variable. On prend la donnée du jeu du vaisseau, X et Y de ce vaisseau-là, et on le met dans une variable nommée pour que je puisse plus facilement y accéder. Simplement ça. Ici, nous, ce qu'on fait, c'est au début du jeu. Pour toujours, glide, ça veut dire va à cette direction, 6 secondes c'est le temps que ça doit lui prendre, et random position c'est va à une position aléatoire. Donc en gros il choisit une position aléatoire, puis il prend 6 secondes pour y aller, et une fois qu'il a fini, il continue la boucle. Donc, il vient, il le fait une fois, puis il fait une deuxième fois, puis il fait une troisième fois, puis il fait une quatrième fois, poupouloupouloupou. Ça, c'est ce qu'on appelle une coroutine, c'est juste une séquence d'actions liée au temps. Qui s'exécute gentiment, tout doucement. Tadam ! Et c'est aussi con que, comme vous pouvez voir, c'est hop, hop, et hop, et hop,
Tadam! Là, il le ferait par exemple 10 fois. Et puis après, il arrêterait de bouger. Si jamais je faisais celui-là. Par exemple. Et donc voilà, ça, c'est un vaisseau. Alors ici, vous voyez que mon vaisseau, il a Create Drone. En gros, il a une petite boucle qui dit « Hey !» au début du jeu, pour toujours, t'attends 2 secondes, et toutes les 2 secondes, tu vas cloner l'objet suivant. Et l'objet suivant, c'est Drone, c'est la petite bouboule qui est là-bas. Donc en gros, le vaisseau va à chaque fois créer une petite bouboule. Et alors, c'est pas lui qui décide de la rotation, apparemment, c'est la petite bouboule qui va décider. Donc si on va sur la petite bouboule, et c'est là que partager la position du vaisseau va être intéressant. Si on va sur la petite bouboule, poutoulou, voilà, on peut voir que je dis, au début du jeu, tu caches la boule. Parce qu'en gros, une fois qu'elle est créée, on veut pas qu'elle... Ici, celle-là, elle doit exister, mais on veut pas la voir. Si jamais quelqu'un me crée, when I start as a clone, si quelqu'un m'a créé, je m'affiche. C'est ça qui s'affiche. Je choisis la position XY du vaisseau, donc j'apparais sur le vaisseau. Je pointe dans une direction aléatoire de 0 à 360 degrés, donc je choisis une position, une rotation aléatoire. En fait ici, les objets dans Scratch, ils ont une position XY et une direction ici qui est 0 là-bas et 180 là-bas. En gros, on a un angle qui nous permet de dire par où on va. Donc ici, je dis « Hey, prends un angle aléatoire ». Point in a direction. Et pour toujours, tu avances tout droit de 10. Donc à chaque fois, tu avances de 10 frames. Et quand tu touches à bord, tu ricoches. Donc si je touche à bord là, pouf, je ricoche. Vous voyez, c'est ça qui dit ici. Tadam ! C'était dur de faire une petite boule. Hein. Et alors ce qui se passe, c'est que si le joueur est touché, c'est ce qu'on appelle un événement. Il y a un événement qui est envoyé dans le jeu. Et là, je dis si jamais l'événement joueur est touché, à ce moment-là, tu détruis tous les clones. Tu me détruis, donc tu détruis tous les clones. Tous les clones vont recevoir ce petit événement-là. C'est compliqué, le code. Et donc voilà, la beauté de Scratch, c'est cette capacité à faire des jeux en quelques blocs. Vous faites un bloc, deux blocs, trois blocs, poup, 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 et vous avez un jeu. Alors, ici, il y a un truc que je ne vous ai pas montré, c'est la petite radio là-bas. La petite radio, c'est parce qu'on aimerait bien avoir un jeu. Donc un jeu, il faut un meilleur temps. Et donc ici, on a fait la concept d'avoir être en vie, le meilleur score et le meilleur score de tous les temps. Et donc ici, comment ça fonctionne? Hop, 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 j'essaie de me rappeler. Ok. Celui-là, je vais le désactiver parce que je l'aime pas. Voilà. Et le background, on va mettre des étoiles. Comme ceci. Ok. Voilà. Alors, nous disions donc, ici ce qui se passe, c'est que on dit, quand le jeu commence, être en vie est à 0, et le meilleur score est à 0. Pour toujours, être en vie, donc ce petit truc là-bas, cette variable qui est nommée être en vie et qui possède la valeur ici time, qui est un chiffre, on va dire que elle sera mise au timer. Et timer, c'est une variable que Scratch nous donne avec le temps du jeu. Donc je dis, pour toujours, ça vaut la valeur du timer. Si jamais la valeur du timer est plus grande que le score actuel, ici la valeur est plus grande que le score actuel, que le meilleur score actuel, on définit que le meilleur score est maintenant le score de précédent. Tadam ! Magnifique, hein ? Waouh ! Compliqué ! Ok, donc du coup là le temps avance, et quand il dépasse là-bas, il avance. Maintenant, c'est bien, parce que du coup, ouais, on peut jouer avec un score. Donc voilà, et admettons que je vais essayer de rester plus longtemps que 12 secondes. Je vais essayer, hein. Je ne garantis rien. Hop. Ah, shit. Et on va y arriver, on va y arriver. Ce jeu n'est pas facile. Et... Alors, il y a une manière de battre le jeu, qui est très simple. C'est de se camoufler sur un bord. Comme ça. Parce que basiquement, j'ai pas prévu le jeu pour essayer de contrer cette situation. Mais bon, on a fait 18 secondes. Donc maintenant, c'est passé à 18 secondes. Si je m'arrête et que je relance, pouf, il revient à 0. Donc la donnée n'est pas sauvegardée. Pour pouvoir sauvegarder une donnée sur un navigateur web, on n'a pas de fichier. On ne peut pas sauvegarder sur des fichiers. Donc du coup, il faudrait sauvegarder ailleurs.
Et là, vous voyez, il y a un petit nuage sur la variable. C'est parce que, en fait, Scratch a ce concept de cloud var. En gros, c'est ils ont un serveur web, un serveur WebSocket, c'est une sorte de truc qu'on peut contacter par le réseau web, qui va permettre d'accéder à une base de données. Et donc, en gros, ça veut dire que ici, quand on change la valeur de cette variable-là, elle est sauvegardée sur leur base de données à eux. Et donc, ça, c'est ce qui arrive ici. Si le joueur est touché, d'accord, on va dire que le meilleur score, on check si le meilleur score actuel est plus grand que le score sur le serveur. Si c'est le cas, le score sur le serveur est égal au score actuel. Tadam ! Et c'est comme ça qu'on fait. Et donc, en gros, ici, ce qui se passe, c'est que c'est le score des meilleurs joueurs. Donc, en gros, pour éviter d'avoir du spam, le score du meilleur joueur n'est sauvegardé que par les gens qui sont des scratchers, qui ont joué, qui ont beaucoup joué à Scratch et qui sont devenus un scratcher. Pour pouvoir faire ça, il faut faire 10 projets, commenter X fois, mettre des likes et des trucs comme ça. Il y a toute une série de choses à faire pour devenir un scratcher. Une fois que vous êtes un scratcher, vous pouvez utiliser les variables sauvegarde. Donc vous, vous n'aurez pas un impact dessus, mais si vous êtes un scratcher, vous pourrez sauvegarder votre score là-bas. Et donc, voilà. D'ailleurs, pour vous montrer, si je retourne dans ici, vous voyez qu'il est mis cloud var, variable sauvegardée. Si je vais voir les données là-bas, on peut voir que J'aime les frites a changé le score il y a 14 jours d'ici, il y a 4 jours d'ici avec des valeurs ici. Tadam ! D'ailleurs, on peut constater un bug parce que la donnée est à 126 alors que ici elle n'est pas à 126, mais bon, c'est un détail. Et donc voilà, on peut faire des jeux multijoueurs via Scratch très facilement, comme vous pouvez voir. Je reviens en arrière. Notre but, il était de quoi? Il était de dire, voilà, c'est simple de faire ce genre de jeu en Scratch. En Unity, c'est un peu plus complexe. Mais, c'est pas si complexe que ça, finalement. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire? On a besoin de prendre un objet. Et on a besoin de le téléporter en avant, le téléporter en arrière. Enfin, ici, j'ai pas mis d'arrière. On a besoin de pouvoir le téléporter en avant, de le faire tourner vers la gauche, de le faire tourner vers la droite, et cela à chaque fois qu'on dessine le dessin du jeu, donc l'image du jeu. Donc en gros, ça compte à 60 fois par seconde. Une fois qu'on sait faire ça, on sait tout faire en fait. La boule, c'est pareil, c'est juste on la téléporte devant, on prend x, y, et on calcule c'est quoi le x, y devant, et on le fait avancer. C'est pas compliqué. Et donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, je vous montre. Ici, si vous créez un compte, donc je vous invite à créer un compte, vous pouvez créer un nouveau jeu. Bon, oh, oh, oh. Voilà, magnifique. On a un petit bonhomme, mais il est tout moche. J'aimerais bien pouvoir l'éditer, donc je vais aller dans les costumes. Je vais contrôler tout, et je vais tout supprimer. Je vais essayer d'apporter cette image de drone. Donc on va copier l'image, aller dans Remove Background, ceci. Alors, je suis sur Opera, donc j'ai juste besoin de cliquer ici, sur, parce que Opera a une sorte de petit onglet qui vous permet de copier-coller la dernière image que vous avez. Donc voilà, j'ai demandé d'enlever le fond d'écran de cette image. On va copier l'image, on va retourner dans Scratch, et on va lui dire, j'aimerais bien uploader une image de ce joli drone-là. Alors, le truc, c'est que l'avant sur Scratch, c'est par là-bas. Et donc du coup, on va le prendre et on va le tourner. S'il me laisse le tourner. Voilà. Ouh. Hop là là. Ok. Donc on a notre magnifique drone. Il est un peu grand. Donc on va le diminuer de taille. On va la mettre... Hop hop, est-ce qu'on peut... Si je pousse au majuscule et Alt, c'est de trouver la bonne touche. Alors, majuscule et Alt, ça marche, mais ça ne garde pas la dimension. C'est Alt. Donc si je pousse sur Alt et que je descends, je peux rétrécir sa taille. Comme ceci. Oup, 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 oup. Tadam ! Voilà. Donc j'ai rétréci sa taille. Alors j'aurais pu le faire là-bas. C'est juste que j'aimerais bien pouvoir le contrôler, ce facteur-là. Donc j'aimerais bien pouvoir l'agrandir et le rétrécir. Et donc du coup, je préfère lui donner une taille de 100. Ça, on a la même taille que tous les autres objets. Ok, on a un magnifique drone. Alors, ce qui se passe, c'est que ce magnifique drone là-bas,
tout pixelisé. Il faut savoir que ça fait 512 de pixels. Sur je sais plus combien, 420, un truc comme ça. Ce drone-là, j'aimerais bien pouvoir le faire toucher des objets. Et en fait, dans Scratch, soit vous pouvez dire je touche l'objet, soit vous pouvez dire je touche une couleur. Et donc du coup, on aimerait bien pouvoir mettre une couleur sur cet objet-là. Alors malheureusement, Scratch, les couleurs, pas idéal. Parce que vous allez voir, je risque de le toucher. Ah non, c'est passé en dessous. C'est chouette ça. Bon bah si ça passe en dessous. Alors j'allais vous montrer comment on fait dans Krita. Mais vu que ça veut bien passer en dessous, je vais essayer de le faire à la main. Il faudrait gommer un petit peu. Magnifique. Voilà. On va utiliser la gomme. J'ai aucune idée de pourquoi il a dessiné en dessous. Aucune idée. Mais c'est une bonne nouvelle. Mais aucune idée. Ok, donc voilà. On a un bord vert tout au-dessus. Ah. Parce qu'il a gardé en mémoire le drone. Il a gardé en mémoire le drone, mais il a effacé réellement derrière. Ah ah! Bug, j'ai trouvé un bug. Dommage que ce n'est pas une formation de QA testing. C'est pas grave. On va copier notre image. Retourner dans Scratch. Copier l'image ici. Copier. Scratch. Et apporter ça. On va copier, coller. On l'avait tourné. On l'avait rétréci en poussant sur Alt. Alors en Krita, ça aurait été plus simple. Krita, c'est un éditeur de DSA 2D. Que normalement, on a vu dans le cours d'hier si vous avez suivi la formation comme elle est prévue d'être suivie. Mais donc ici, on peut le faire soit dans Scratch, soit dans Krita. Ok, on a un bord vert. Ce qui veut dire que maintenant, on va pouvoir dire mon bord vert, s'il touche un bord rouge, on fait une action. C'est parfait. Donc là, c'est notre joueur. Player. Alors, notre joueur, il faut pouvoir le bouger. Donc là, on clique sur le joueur. On va dans Code et on va le faire bouger. L'idée, c'est de dire, bon, si je tourne à gauche, bah, il faut que je tourne à gauche. Donc on va dire un événement pour toujours. Donc au début du jeu, ça c'est le début du jeu. Pour toujours, on veut vérifier que on est en train de pousser sur une touche. Donc ici, on va prendre touching, en key press. Si je pousse sur la flèche de gauche, alors je vais utiliser la flèche de gauche, mais je vais utiliser aussi un ou. Ou, ça veut dire soit l'un, soit l'autre. Soit la flèche de gauche, soit. Hop, hop, hop. J'avais utilisé quoi? J'avais utilisé F, je crois. F. Soit F. Ok. Si je pousse sur gauche ou F, je vais faire une action. Et cette action, ça va être de tourner. Hop là. Tourner comme ceci. Alors, si je pousse sur aucun des deux, bah je fais rien. Waouh. D'ailleurs, on aurait pu mettre ça dans un if, en fait, finalement. If, comme ceci. Yep. Voilà. Pas de if else. If else, c'est-à-dire si ça c'est vrai, je fais, sinon je fais autre chose. Voilà. Donc, maintenant, si je fais ça, et que je pousse sur la flèche de gauche, tadaan, si je pousse sur la flèche F, tadaan, waouh. Ok. C'est magnifique. Mais, avec tout ça, on aimerait bien pouvoir tourner à droite. Hop, hop, hop. Oup. Hop, flèche de droite. Du coup, c'est H. Voilà. Et on va dire à moins 15 degrés. Alors, on aurait pu prendre l'autre qui va tourner à droite. On aurait pu prendre celui-là et dire, non, je vais tourner à droite de 15. Ou inversement. Ok. Donc, on fait ceci. Voilà. Et on peut maintenant
Tourner à gauche, tourner à droite. Waouh! Maintenant, il faut savoir avancer vers l'avant et l'arrière. Hop! Flèche de devant. Hop! T. T, 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 hop! Voilà. Et alors ici, on va pas bouger. On va pas tourner, on va bouger. Voilà. Pareil pour derrière. On va aller move. Oups. Back. C'était CG. Alors, je vais peut-être pas mettre T et G parce que dans Unity, on va changer. On va mettre I et K pour une simple raison. Ah, on s'en fout, c'est pas grave. Bon, on va laisser T et G. Non. Non, on va mettre I et K. On va mettre I et K. En fait, ce qui se passe, c'est que un drone peut bouger sur quatre axes. Il peut tourner, avancer, reculer, aller à gauche, à droite et descendre et remonter. Le truc, c'est que du coup, c'est ce qu'on est en train de faire ici. Hop, comme ceci. Voilà. Ici, hop, je peux tourner à gauche, tourner à droite, avancer, reculer. Ah, on a oublié de faire moins 10. Voilà. Bah, tout long. On peut avancer, on peut reculer. Magnifique. C'est magnifique. Sauf qu'en fait, si on veut descendre et monter, bah en fait, il n'y a pas de descendre et monter parce que ici c'est un jeu 2D donc on a X et Y. Donc, en gros, si on veut faire descendre et monter, on peut utiliser le scale. Comment on va faire le scale? On va faire la même chose. Ici, on va faire copier-coller. Comme ceci. Voilà. Sauf que ici, on n'a pas vraiment la flèche. Donc, en gros, on n'a plus besoin du OU. On va juste utiliser ceci. On va dire que, en fait, un drone, son joystick. Généralement, le fait de monter et de descendre est sur le même joystick que le fait de tourner. Et donc, du coup, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire si c'est et si c'est G. En fait, pourquoi est-ce que je choisis ces trucs-là? C'est parce que j'essaie de mimer le comportement d'un drone pour enfant. Et les drones pour enfants, ben, je connais les joysticks et c'est ça que je fais, que je reproduis ces joysticks. Alors, on n'a pas de Z. Donc on va devoir improviser. On va devoir gérer la hauteur. Alors, ici, on a changé le Y. Voilà. Changer. C'est pas Y. C'est changer la taille. Alors, la taille. Glide point, direction, change set. Say size. Ouais, ici, vous voyez qu'on a taille. Qui peut aller de 100 à 0 ou par unité ici. Ok, on va comme ceci changer la taille. On va mettre de 2 comme ceci et de moins 2. Donc si je pousse sur G, ça va retirer de la taille. Si je pousse sur T, ça va donner de la taille. Hop là, je monte et je descends. Alors 2, c'était pas beaucoup. Moins 5, comme ceci. Tadam! Bon, ici, en l'occurrence, dans le jeu, c'est peut-être pas une bonne idée de le laisser soit grandir de trop, soit descendre de trop. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est mettre ce qu'on appelle une condition de clump, donc de limitation. En anglais, clump, ça veut dire limiter. On va dire, ici derrière, si jamais, hop, 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 la valeur de taille, c'est-à-dire un petit rond comme ça, size, vous voyez, ça c'est une variable de taille. D'accord? Si cette petite variable de taille, elle est trop grosse, petite ou trop grosse, on va la définir. Donc on va ici, on va dire si jamais elle est plus grande que 80, à ce moment-là, on va dire qu'on a 7, et alors là il va pas me laisser faire. Ça, c'est un petit détail, c'est que cette variable elle est gérée par. Ah si, il va me laisser faire. Il faut juste que je prenne ici. Yop. 7, 7, 7, 7, 7, 7, size. Ici.
Si la taille est supérieure à 80, on va la mettre à 80. Alors, je sais pas si c'est une bonne chose, parce que je sais pas si c'est 80% qui nous donne. On va voir, hein. Si la taille est supérieure à 80, on la met à 80. Si la taille est inférieure à 20, on la met à 20. Comme ceci. Alors, ça donne quoi? Si je monte, je peux monter. Une fois que je suis à 80, je suis bloqué. Si je descends, je peux descendre. Mais à 20, je suis descendu. Tadam! Bon, là, ça m'a l'air d'être un petit peu petit quand même, hein. Qu'on va le laisser grossir à 100. C'est ce qu'on appelle tweaker. Prendre le temps de changer les variables pour que le jeu soit jouable. Voilà. Là. Là, j'ai cassé. J'ai cassé la chose. Si inférieur à 40. 40. Sinon, 100. 140. Tadam ! Magnifique. C'était pas magnifique. Alors maintenant, du coup, il faut que je bouge, comme ceci. Voilà. Alors, maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il me reste un dernier mouvement pour faire mon drone. Là, on peut monter. Là, on peut tourner. Là, on peut avancer et reculer, comme ceci. Voilà. Il nous reste le fait de panner à gauche et panner à droite. De strafe en anglais quand vous jouez aux jeux vidéo. De strafer à gauche et strafer à droite. Donc, il nous reste ces deux touches-là qu'on va copier. Alors, le truc, vous pouvez voir qu'on peut bouger vers l'avant, mais on n'a pas à bouger à gauche, bouger à droite. Ici. On a des glider, on a des random, on a des change, mais on a change x. Mais si je le bouge sur x, il va utiliser ce qu'on appelle une donnée globale. Donc en gros, le x de ce jeu, si je prends ici stage et que j'ajoute une image, il y en a une qui est parlante, qui est celle-ci. Glide xy. Vous voyez que ici on a x, et là on a y. Ce qui veut dire que si je lui dis de bouger... Si je lui dis de bouger sur les x, là-bas, ok, cette x là-bas ou cette x là-bas, il va partir par là. Et puis il va partir par là. Et moi, c'est pas par là que je veux qu'il parte, c'est par là qu'il veut qu'il parte. Alors du coup, vous avez deux solutions. Soit vous êtes mathématicien et vous faites une petite formule de trigonométrie avec Pythagore pour savoir que c'est ce point-là qu'il faut que j'aille. Vous pouvez, hein. Avec Scratch, vous pouvez. Soit vous êtes un petit peu malin et vous trichez. Alors, comment on va tricher? On va prendre un if comme ceci. Voilà. Ce if, on va dire, bon, si tu tournes vers la gauche, si tu me demandes de tourner vers la gauche, qui est ici J, enfin de panner vers la gauche, d'accord? Tu vas tourner de 90 degrés vers la gauche. Voilà. Tu vas avancer de 10 pas, puis tu vas revenir de 90 degrés. Comme ceci. Ce qui fait que maintenant, si je pousse sur J, je panne. Parce qu'en gros, il tourne à gauche, il avance, puis il retourne à droite. Et vu que c'est instantané et que c'est pas dans la frame, c'est instantané, ben on se retrouve à avoir la pression qui va à gauche. Qui bouge, qui strafe à gauche. Donc du coup, maintenant, on prend ça, on le copie. Voilà. On met L. Comme ceci. Et puis ici, hop. On inverse les rotations. Et tadaan ! Et donc du coup, maintenant, on a les quatre axes de drone. On peut bouger. On peut strafer. On peut descendre et monter. C'est magnifique. On a un jeu vidéo. Tadaan ! Alors, maintenant, on sait bouger un personnage. Ok. Cool. Alors, faut savoir que pour faire un jeu vidéo, on a besoin de respecter les 3 C. Caméra, contrôleur et caractère. Caractère, caméra, contrôleur. Donc, le caractère, c'est notre petit drone ici. Magnifique. Avec ça, on peut faire un jeu. Notre caméra, bah, c'est le jeu 2D de Scratch, donc on peut pas y faire grand chose. Et les contrôles, c'est ce qu'on vient de faire. Du coup, maintenant, tout ce qui nous reste à faire, c'est de mettre du contenu dans ce jeu.
Et mettre du contenu, bah, en fait, c'est mettre un jeu. Il nous reste donc, du coup, pour implémenter le principe du caractère, faire que le caractère puisse mourir, qu'il puisse avoir un score, qu'il puisse avoir des petites boules et tout. Donc, pour ça, il nous faut un ennemi. Donc, on va ici, ouf, ajouter un nouveau sprite. Voilà. Et ça va être une magnifique chauve-souris, toulon, toulon, qui sera assez petite. On va mettre de 20, comme ceci. Alors, ma chauve-souris, pour pouvoir la toucher, soit je lui dis, bah, je touche la chauve-souris, soit je fais un jeu un peu plus générique pour que on puisse arriver à utiliser la chauve-souris différemment. Et on va lui mettre un bord rouge. Alors, j'ai la flemme. J'ai vraiment, vraiment la flemme de lui mettre un bord rouge. Du coup, on va tricher. On va tricher. Alors, je copie ma chauve-souris. Je vais dans Remove. Je lui dis, peux-tu me retirer l'arrière-fond? Comme ceci. Et je vais aller dans Krita. On va ouvrir Krita. Et dans Krita, ce logiciel de dessin dont j'aurais normalement voulu vous parler hier, mais si je ne vous ai pas parlé hier, ben je vous en parle maintenant, va nous permettre de faire de l'édition de dessin 2D. Dans cette édition de dessin 2D, on va faire un petit sprite comme ça de 512. On va copier l'image du web, donc c'est-à-dire copier celle qu'on vient d'aller chercher là-bas. Copier. Hop. Voilà. On a notre magnifique chauve-souris. Alors là, on a nos petits transforms qui nous permettent de gérer la transformation de ma chauve-souris. Va essayer de lui donner une petite taille comme ça. Alors, vous avez remarqué que dans Scratch, il y a plusieurs images. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle un sprite. C'est on a une image, deux images, trois images. Et quand on les fait bouger, on a l'impression d'avoir une animation. Et ici, toucher, dormir. Nous, ce qu'on a besoin, c'est de ces deux sprites-là. Donc, il va nous falloir celui-ci aussi. Hop, hop, hop. On le copie. Windows majuscule S pour faire un copier-coller comme je suis en train de faire. Windows majuscule S. On va dans Remote. On dit qu'on veut retirer un background de cette magnifique image. Waouh! Voilà. On va copier l'image. Alors, j'aurais pu à la main rajouter le fond d'écran comme on a fait tantôt. C'est juste que ici, je me permets de vous présenter Krita pour avoir un petit peu de fun. Alors. Ici, on va mettre un petit peu d'opacité pour pouvoir le mettre par-dessus. On va le synchroniser sur le nez. On va prendre notre objet, on va le diminuer de taille. Voilà. Parfait. Comme ceci. Parfait. Ok, donc on va remettre son opacité. Ok, on a notre magnifique chauve-souris avec ses deux sprites. On va sauvegarder ça. Mais il nous faut maintenant ajouter les petites bordures rouges pour pouvoir dire que c'est un ennemi. Donc on va aller dans Propriétés. Ici. Propriétés. Alors c'est Layer Style. Layer Style. Layer Style. Stroke qui veut dire ligne. Et ici, vous voyez qu'il va m'ajouter des lignes. Nous, ce qu'il nous faut, c'est du RGB, donc c'est du rouge pur. Donc 255 de rouge. Une couleur est composée de trois couleurs: rouge, bleu, vert et les transitions. Donc si vous mettez du rouge et du vert, vous aurez du jaune. Si vous mettez du vert et du bleu, vous aurez du bleu cyan. Si vous mettez du bleu et du rouge, vous aurez du mauve ici. Par exemple, ici, si je mets du rouge et du bleu, 250, tadam, on aura ce magnifique mauve. Nous, ce n'est pas du mauve qu'il nous faut, c'est du rouge. On va mettre. Hop là, du rouge. La transparence, c'est une autre propriété derrière, donc on va laisser ça comme ça. Et hop là, transparence, pas de transparence. Opacité égale full. Ok. On fait OK. Est-ce que c'est trop épais? Non. Ouais, c'est trop épais. Donc on va layer style. On va changer un peu l'épaisseur parce que c'est vrai que c'est un peu épais. Maintenant, il ne faut pas que ce soit trop petit parce que quand ce sera tout petit dans Scratch, il faut savoir détecter le pixel.
Parce que Scratch, il fait que 512. Hein. Bon, on va dire que comme ça, c'est bon. Ok, donc là, on a notre magnifique rouge. On va copier le style, aller sur l'autre image, et on va coller le style. Tadam! Ce qui veut dire que maintenant, on a une chauve-souris et deux chauves-souris. Ok, bah du coup, maintenant, il faut exporter tout ça. Donc, on vient, on dit qu'on veut sauvegarder sous dans bureau comment on dit chauve-souris bats flap hop exporter bat flop flap flop. Voilà. Alors, je l'ai exporté en Krita au lieu de PNG, ce qui est... Krita, c'est le format de base. Non, c'est en PNG qu'il faut que je l'exporte. Du coup, on va refaire flop. Enregistrer sous PNG. Ici. Donc, on l'avait appelé flop, donc maintenant ça va être flap. Voilà. Attends, c'est flap ou c'est flop? Je crois que j'ai fait une bêtise, non? Flap, flop. Non, c'est bon. Donc on a notre flap et on a notre flop. Ok, on va retourner dans Krita. Encore une fois, on aurait pu le faire dans le Krita. C'est juste parce que je trouvais ça fun de vous montrer comment on fait pour utiliser... On aurait pu faire ça dans Scratch. C'est juste que je trouvais ça fun de vous montrer comment on fait pour faire tout ça dans Krita. Sélectionner le fichier, on va aller dans le bureau. Hop, hop. Et on va les ouvrir. Tadam! On a ce costume et ce costume. Magnifique. Alors, maintenant qu'on a fait deux costumes, le 5 et le 6, voilà, on va pouvoir dire à notre chauve-souris que au début du jeu, pour toujours, tu vas attendre un tout petit peu, genre 0,2 secondes. Et pour ces 0,2 secondes, tu vas changer d'habillage. Ici, on a, vous voyez qu'on a dans Look, on a changer de costume. Flop. Voilà. Et changer de costume, on peut le mettre à flap et on peut le mettre à flop. Si, je fais ça. Oh mon dieu! Une chauve-souris vivante! Alors, le truc, c'est que gérer la vitesse du flap et du... Ici, c'est pas si simple que ça. Donc, du coup, vous voyez que c'est le temps là-bas. Il va falloir tweaker la valeur. Mais tweaker la valeur, ça veut dire qu'on va la changer là et là. Donc en gros, ce qu'on voudrait faire, c'est de changer aux deux endroits. Et c'est ce qu'on appelle une variable. On va créer une petite variable ici, qui s'appelle flap speed. Donc le fait de flapper, donc de faire flip-flop, et c'est sa vitesse. Il nous demande est-ce que c'est pour tous les sprites, donc tout le jeu entier, ou est-ce que c'est pour celui-ci? Nous, c'est que pour celui-ci, on veut qu'il existe que pour la chauve-souris. Donc on va dire OK. Et cette variable là ici, on va dire que au début du jeu, la variable flap speed, elle sera de 0,2. Et ici, on va prendre flap speed, on va le copier-coller avec CTRL-C, CTRL-V et le mettre comme ceci. Donc ici, si je décide de dire que flap speed il vaut 0,4, voilà, il va aller lentement. Maintenant, si je dis que flap speed il est de 0,2, alors j'aurais pu le mettre ici. Mais à ce moment-là, il le fait à chaque dessin. Mais si on veut le mettre à jour facilement, classe 0,4, 0,1, 0. Alors vous voyez que ça, du coup, on va le voir frapper à la vitesse d'affichage. C'est-à-dire que vu qu'il y a 0 ici, il va le faire en permanence. Donc ça veut dire que si c'est à 200 frames par seconde, il va flapper 200 fois. Et ça, vous voyez qu'on a les deux états en même temps. Maintenant, si je mets 0,05, il va flapper les ailes à 60 fois par seconde. Si Scratch le permet. Parce que basiquement, c'est la vitesse de Scratch. Et Scratch, des fois, il a des problèmes de vitesse. Tadam! Ok, donc maintenant, ce qui va se faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire bouger, ce personnage-là. Qu'on va ici dire, j'aimerais bien que pour toujours. Toujours. Ici, tu bouges aléatoirement dans tous les sens.
Et ça, c'est ce qu'on appelle glider. En Unity, c'est pas si simple à faire, mais en Scratch, c'est extrêmement simple. J'aimerais bien que tu glides pour l'équivalent de 5 secondes à une position aléatoire. Le problème de ça, c'est que la vitesse va varier en fonction de à quel point il est loin ou pas de l'endroit actuel, le point aléatoire. Mais on va faire avec. Tadam! Donc là, ma chauve-souris, elle bouge. Des fois, elle va pas beaucoup bouger. Des fois, elle va bouger beaucoup. Alors, on va la mettre à une seconde. Une seconde, c'est un peu rapide, mais limite, on devrait savoir survivre. Par contre, l'éviter, ça devient vite chaud. Hein. Parfait. Ok, on a notre magnifique chauve-souris, c'est parfait. Maintenant, il nous faudrait faire apparaître des chauves-souris. Donc, apparaître des chauves-souris, ça va être... Ouais, on va d'abord faire que quand elle nous touche, elle nous tue. Comme ça, au moins, vous avez vu les collisions. Là, pour l'instant, elle existe sans collision. Elle ne touche pas à mon drone. Donc, il faudrait que quand elle me touche, je fasse une action. Pour faire ça, je pourrais soit mettre le code sur la chauve-souris, soit mettre le code sur le drone, soit le mettre à l'extérieur, mais à l'extérieur, ça devient compliqué. Donc, en gros, il va falloir le mettre sur l'un ou sur l'autre. Ce serait peut-être mieux de le mettre sur le joueur, comme ça, tous les objets qui ont du rouge, on est bon. Donc ici, on va aller sur mon petit drone, on va cliquer sur mon joueur, voilà, et on va dire pour toujours, j'aimerais bien checker les collisions. Et donc ici, il y a un petit truc qui s'appelle est-ce que la couleur X de mon objet touche la couleur X d'un autre objet. Trop parfait ce truc. Donc, on va dire si. Ouh. Mon objet avec la couleur verte. Oups, j'ai cliqué un peu trop loin. Touche un autre objet dont sa couleur est rouge. À ce moment-là, je fais une action. Et cette action, elle va être de me téléporter aléatoirement sur le jeu. Donc maintenant, si je touche si la chauve-souris me touche, je suis téléporté et je perds. Tadam! Alors vous allez me dire, comment on fait du coup pour gérer le temps? Parce que vous souvenez que j'avais mis un petit temps au-dessus qui permet de dire combien de temps on avait survécu. Alors en fait, ce qu'on va faire pour pouvoir gérer le temps, c'est qu'on va créer un nouvel objet de temps. Alors généralement, je vais le chercher sur Scratch, mais ils n'ont pas d'horloge. Time. Image. Ah, voilà ça. Ça, c'est parfait. On copie. Remove background. On met notre magnifique horloge. En fait, Remove background, il est gratuit pour les petits formats. Et vu que les images sont toujours plus grandes que le jeu Scratch, c'est pas plus mal. C'est pour ça que j'utilise vite ça. Et c'est pour ça que je suis dans Opera, parce que quand vous faites des copier-coller, c'est plus facile de faire la transition. Donc ici, on revient à notre jeu. On dit qu'on veut rajouter un élément dans le jeu, et c'est notre temps. Time. On va lui donner un petit nom. Time. Voilà. Notre temps, il est beaucoup trop grand, donc on va le mettre à 10. Bon, 10, il est moche. 30. Voilà. On a notre magnifique horloge ici. Et notre horloge, pour pouvoir afficher le temps du jeu, il lui faut une petite variable, un petit truc comme ceci. Donc en gros, on va créer une petite variable ici. Voilà, qu'on va appeler hop, pour tous les sprites, parce que le temps, finalement, on va l'utiliser partout. On va le nommer time. Score. Time score. Voilà. Voilà, on a une magnifique variable de temps qui vient d'être affichée ici. On va la mettre là en bas. Cette variable, on peut l'affecter. Donc on va pouvoir dire, j'aimerais bien que pour toujours, tu prennes la variable de temps là-bas, et ça c'est ici dans les variables, et que tu me la mettes à quelque chose. Donc ici, vous voyez qu'on a une liste, et on a notre timescore, qui, vu qu'elle est globale, elle est visible partout dans le jeu.
Notre timescore, on aime bien la mettre à une variable. Et dans Scratch, il y a des petites bulles comme ça qui représentent des variables que eux nous donnent. Et il y a la variable timer. Attendez, je vais zoomer un peu. Comme ceci. Il y a la variable timer. Magnifique. Donc là, actuellement, si je fais play, on a un timer qui bouge. Le problème, c'est que ça gigote un peu beaucoup trop. Et donc, du coup, il faudrait retirer les décimales. Alors, comment on fait pour retirer les petites décimales? Là-bas, on va faire des petites opérations mathématiques. Vous voyez, ici, on a plein de trucs, des opérations mathématiques. Pour retirer des décimales, comment on fait? S'ils ont une méthode pour nous, tant mieux. Ici, on voit qu'il y a floor et ceiling. Donc, floor et ceiling, ça veut dire utilise le bas de la variable ou le dessus de la variable. On pourrait arrondir. C'est ce qu'on va faire. On veut arrondir vers le bas. Sauf que si on arrondit vers le bas, notre temps, on va avoir que des secondes. 1, 2, 3. Le problème, c'est que fort possible qu'il y ait des joueurs qui arrivent à faire des choses à la dixième de seconde. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier. Alors, le multiplier, il est là-bas. Notre temps par 10. Comme ceci. Ce qui fait qu'on a ça. Sauf que nous, on aimerait bien avoir une petite virgule quand même. D'accord? Donc, pour avoir la virgule, bah, c'est pas grave. Une fois qu'on a fait le floor, on va diviser par 10. Et voilà, padam, on a à la décimale près. C'est magnifique, hein? Donc ça, c'est des petites opérations mathématiques qu'on peut faire facilement dans les opérateurs. Plus, moins, fois, diviser. Il faut savoir que diviser en informatique, c'est la slash. Multiplier, c'est la petite étoile. Plus c'est égal, c'est plus c'est égal. On a inférieur, égal. Ça, c'est des conditions. Quand c'est des trucs comme ça, c'est ce qu'on appelle des conditions. C'est est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Par exemple, ça c'est un chiffre aléatoire. Et donc voilà, là on a notre petit temps. Donc en gros, il faudrait que quand la chauve-souris nous touche, que le temps soit remis à zéro. Hop hop hop. Et vu que le code là-bas ne discute pas avec le code là-bas, il faudrait trouver un moyen de les faire discuter ensemble. C'est ce qu'on va faire, on va utiliser ce qu'on appelle des événements globaux. Dans mon petit joueur, ici quand je touche la couleur, vous voyez que je dis mets-moi aléatoirement à l'endroit. Mais on aurait pu créer un événement. Ici. Alors les événements, c'est dans événements. Et on va dire qu'on aimerait bien envoyer un événement à tout le monde. Et cet événement qui n'existe pas encore, on va le créer. Nouveau message. Et c'est player hit. Le joueur est touché. Donc là, je dis quand je suis touché, j'envoie à tout le monde le fait que je suis touché. Et donc dans la lampe, je vais pouvoir dire. Si jamais je reçois un événement global que le joueur a été touché, on va reset le time, reset le temps à zéro. Et ça, il y a une petite méthode qui nous ont prévue, reset time, qui va remettre le temps du jeu à zéro. Voilà. Hop, hop. Si je me fais toucher, tadam, c'est revenu à zéro. Magnifique. Donc, c'est beau, c'est chouette, c'est cool. Maintenant, ce qu'il nous faut, du coup, c'est rendre le jeu compliqué. Alors, pour rendre le jeu compliqué, il suffit d'augmenter le nombre de chauves-souris, hein, pour que le joueur du grenier nous déteste. Ah, il reste plus qu'à mettre le fond avec des égouts et on est parfait. Égout. Image. Copier. On va rajouter ici une image pour le stage qui est les égouts. Voilà. Alors est-ce qu'on peut le faire agrandir les égouts? Si je clique là-dessus, je suppose que ça c'est la totalité de l'image, donc il faut que je sélectionne ça. Je vais me mettre là-bas, comme ceci. Magnifique. Ok, on est dans les égouts et on évite des chauves-souris. Ah mon dieu! Bon, par contre, du coup, mon drone devient tout moche en dessous. C'est pas très beau. C'est dommage. Ok.
Alors, d'ailleurs, si on voulait faire en sorte que le drone il ait un petit peu de vie, on pourrait faire tourner les hélices, hein, exactement comme pour la chauve-souris. On vient, on sélectionne le drone ici. Voilà. Ce sera peut-être pas aussi simple que ça parce que les hélices sont pas faciles. Si je prends ça et que je le duplique, copier-coller. Désolé, non, on revient en arrière. Dupliquer. Et que il va falloir que je dessine les hélices à mon avis. Du coup, ça va pas être aussi simple que ce que j'espérais. Voilà, on va essayer de voir si on n'a pas une solution. Genre ça. On va copier-coller. Ceci. On va effacer. Ceci. On va sélectionner ça. Du coup, on va effacer. Oups. Comme ceci. Copier-coller. Il nous en faut un là. Il nous en faut un là. Alors, il faut savoir que les hélices d'un drone, elles sont pas le même format ici et là-bas. Et du coup, il y a celui-là, il va là. Comme ceci. Et celui-là, là-bas, il va là-bas. Comme ceci. Magnifique. Voilà. Donc ça, c'est les hélices. Maintenant, il faut faire la même chose de l'autre côté. Donc on sélectionne ça. On gomme. Comme ceci. Oups, je suis allé trop loin. Voilà, on copie ça. On le tourne de 90 degrés. On le met là-bas. On le déplace ici et on l'inverse. Voilà, copier-coller. Copier-coller. On pourrait faire une troisième image. Enfin, je crois que déjà avec deux, ça peut déjà être pas mal. On va essayer avec deux. Du coup, toi, on peut te supprimer de la planète. Toi, on peut te supprimer de la planète aussi. Voilà. Sur notre fameux player, on va copier le code de la chauve-souris. On va faire copier. Je suis pas sûr que je peux copier sans le sac à dos là-bas. On va voir. Non, on peut pas copier avec. Est-ce que j'ai pas eu le mettre dans le sac à dos parce qu'il est commun à tous les projets le sac à dos. Le sac à dos, c'est quand vous voulez passer un code d'un endroit à un autre. C'est pas grave. On va le recommencer. Il n'est pas très dur. Donc si pour toujours. Look, wait. On attend un tout petit peu. C'est juste que je trouve que c'est plus sympa quand les hélices elles tournent. C'est pour ça que je prends le temps de faire vite faire un show. Next costume. Voilà. Ah, d'ailleurs, ça me permet de vous montrer qu'il y a aussi un next qui veut dire vas-y, va au suivant. Ce qui s'appelle une itération. En Unity, on verra ce que c'est une itération. Alors, vous voyez que j'ai oublié une hélice. Gomme. Voilà. Alors. Du coup, si je mets que le temps, c'est 0,1. Magnifique. On a des hélices qui bougent. Bon, si on faisait deux transitions de plus, ça aurait l'air d'être sympa. Mais il faut avoir le temps. Bon, pour l'instant, c'est déjà bien comme ça. On a un drone qui bouge. C'est magnifique. On a une chauve-souris. Donc maintenant, on a vu tout ça. Il nous reste le concept des clones qui seront en Unity, ce qu'on appelle des préfabs. Ma chauve-souris. Là, elle est dans le jeu. Mais, j'aimerais bien la dupliquer. Sauf que si je la duplique, on va dupliquer toutes ses propriétés. Sa vitesse, son truc actuel, sa position. Nous, ce qu'on veut faire, c'est prendre la chauve-souris, la mettre là-bas, et la cacher. Donc, on va hide. Voilà. Là, on peut la cacher. La cacher, c'est-à-dire, elle n'est pas dans ma scène. Elle est là, mais elle n'est pas vraiment là. Elle est juste désactivée.
Et cette chauve-souris, on va dire que si jamais j'oublie, elle sera cachée de base. Voilà. Ici, je dis, si jamais je débute le jeu, elle est cachée. Comme ça, si jamais je fais ça, elle sera redésactivée. Elle est cachée de base. Et quand elle est clonée, quand elle va être dupliquée, alors ça c'est ici. Quand je vais être cloné, j'aimerais bien être affiché. Donc on va aller dans Look. J'aimerais bien être affiché. Et quand il est affiché, le code va tourner. Sinon, ça ne tourne pas. Du coup, maintenant, il ne reste plus qu'à cloner la chauve-souris. Pour cloner la chauve-souris, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer ici une fabrique de chauve-souris. Alors, ma fabrique de chauve-souris. Fabrique. Fabrique. Usine. Petite usine. Cône. Magnifique. Celle-là, elle est sympa. Copier. Remove background. On veut retirer l'arrière-fond de cette magnifique image qu'on a volée. Attention qu'on n'a pas les licences, donc si c'était un jeu publié, on serait dans le caca. Il faudrait remplacer l'icône. Il faut savoir que quand tu fais du prototypage, t'as pas le temps de faire des assets. Tu vas utiliser des cubes, des ronds ou des trucs significatifs. Et après, tu vas demander à un artiste de venir remplir tout ça. Donc, tu n'engages pas un artiste dès le début du jeu, tu l'engages une fois que le jeu il est prêt à être publié, quoi. Tu fais des cubes et des ronds une fois que le jeu est prêt et qu'il y a un budget, tu demandes aux artistes de faire tel, tel et tel asset. Usine. Voilà, on a une magnifique usine là-bas. Waouh! Et cette usine, c'est elle qui va cloner les petites chauves-souris. Donc on va lui dire, tu commences le jeu. Et tu vas pour toujours attendre 10 secondes ou 5 secondes. Et toutes les 5 secondes, j'aimerais bien que tu clones. J'aimerais bien que tu clones ma magnifique chauve-souris. Create de clone batch. Et donc maintenant, vous allez voir, le jeu va déjà être un peu plus complexe. Voilà, on a créé notre magnifique chauve-souris. Alors vous voyez que la chauve-souris, elle ne fait rien. En fait, ce qui se passe, c'est que ma chauve-souris, je l'ai mal designée. Je l'ai designée pour qu'elle ait ces événements-là quand le jeu démarre. Et c'est pas quand le jeu démarre, vu qu'elle est déjà démarrée et elle a été cachée. Donc, en gros, ici, ces événements-là ne sont pas adéquats. Enfin, celui-là il est adéquat, mais pas celui-là. Nous, ce qu'il nous faut, c'est un événement qui dit quand j'ai été cloné. Voilà. Quand j'ai été cloné, je commence à faire ça. Et donc maintenant. Alors, vous voyez que ça prend 5 secondes de faire apparaître la chauve-souris. Alors, vous voyez que la chauve-souris elle est passée sur le timer. Comment on fait pour éviter ça? Il y a deux techniques. La première, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des layers, c'est dire je suis sur le layer 1, 2, 3, donc pour pouvoir donner comme pour dire je suis au-dessus ou je suis en dessous. Ou sinon, c'est de gérer la position où il se trouve ici. Donc si le truc il est à gauche, la chauve-souris elle va passer en bas. Je vous montre, je vais le faire avec le timer ici et le joueur. Maintenant que j'ai fait ça, le joueur il va être en dessous de la montre. Tadam! Alors que sinon, j'aurais été au-dessus de la montre. Attendez, hop, hop, hop. Évidemment, apparemment, c'est défini au début. Ah non. Ok. Normalement, il y a cette notion de layer, mais apparemment, ça s'est pas appliqué. C'est pas grave. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter ça. Le layer, c'est ici. Alors, on cherche après layer quelque part ou set next background non to. Voilà, layer front. Donc ici, je peux dire ma chauve-souris. Elle va à l'arrière. Et pour mon joueur, je peux dire au tout début. Et d'ailleurs, je viens de refaire l'erreur. Voilà. On va à l'arrière des layers. Et pareil pour le joueur. On lui dit au début, tu vas dans l'arrière du fond. Mais pas totalement l'arrière. En gros, normalement, il y a moyen de créer des layers, mais je ne me souviens pas comment. Ensuite, tu vas un tout petit peu vers l'avant de un layer. Voilà. Hop. Donc là,
Je suis à l'arrière, mais vu que j'ai été poussé de 1 vers l'avant, je suis devant. Je suis au-dessus des chauves-souris, mais toujours en dessous des trucs. Donc on va aller sur mon horloge. On va dire que lui, elle va à l'avant. Et quand elle est à l'avant, elle va même encore plus à l'avant. Je sais pas si ça permet de créer des layers d'en rajouter comme ça, mais go forward de un layer. Je sais pas si ça va marcher, on va voir. Du coup, pareil pour mon usine. Layer. C'est un petit détail ici, c'est juste que moi je n'ai jamais utilisé les layers et là j'en profite pour faire vite un test. Donc maintenant, théoriquement, je suis censé être derrière l'horloge et derrière l'usine. Magnifique. Mais au-dessus de la chauve-souris. C'est magnifique. Ok. Du coup, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On a les chauves-souris, elles bougent et tout. Sauf que quand moi je me fais tuer, elles réapparaissent pas à zéro. Elles disparaissent pas. Donc c'est-à-dire que le jeu il est infiniment dur jusqu'à ce que je pousse sur stop. Donc il faut tuer ces chauves-souris. Donc en gros, ici dans nos chauves-souris, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur donner une application avec la mort du joueur. C'est-à-dire, dans les événements qu'on a créés, il y avait le fait de dire que quand le joueur est touché. Et quand le joueur est touché, on va aller dans les contrôles et on va dire qu'on veut tuer notre call. Delete this one. Et voilà. Donc là, normalement, après 5 secondes, il y a une chauve-souris qui apparaît. Et toutes les 5 secondes, il y en aura une nouvelle. Alors, je pourrais vous montrer comment on fait pour stocker le code globalement. Alors, vous voyez qu'ici, on a eu un bug. C'est le fait que vu que le jeu tourne en continu et qu'on a pas reset le timer, des fois, elle va apparaître plus vite pour le joueur quand il recommence la game. Mais ça, c'est un détail. Ok. Et on va essayer de survivre. Dans le jeu précédent, vous aviez vu qu'il y avait un meilleur score qui était stocké. Je vous invite à aller regarder comment ça se passe au niveau du meilleur score. Mais nous, ici, dans cette vidéo-là, pour ne pas la rendre trop longue, on va se focusser sur le fait de déplacer l'objet. Donc ici, on est content. On a réussi à déplacer notre drone dans Scratch. Parfait. On va sauvegarder ce projet. Donc on va l'appeler Move Drone in... Comment on appelle ça des égouts? Traduction. Égout. Sewer. Sewer. Voilà. Move drone in sewer. Je le sauvegarde. Je peux, si je veux, l'exporter sur mon ordinateur, mais ici, je vais juste le partager à la communauté. Donc, tant que vous ne poussez pas sur le bouton là, personne n'a accès à votre jeu. C'est votre jeu à vous. Une fois que vous faites ça, tout le monde a accès au jeu. Donc, tout le monde peut cliquer ici et voir ce qui se passe dedans. Et donc, du coup, ici, tout le monde peut jouer à notre jeu, c'est publié, quoi. Tadam! Donc, je vais rajouter ce jeu-là à notre cours. Magnifique. Alors, maintenant, c'est bien beau de l'avoir fait en Scratch. Maintenant, comment on fait ce jeu-là dans Unity? Ben, c'est parti, on va faire ce jeu dans Unity. Alors, je vais dans Unity. Et voyez que dans Unity, il y a un plugin que j'ai acheté qui coûte 33 euros. Donc je peux vous le donner pour le cours, mais il faut que vous l'achetiez si vous l'utilisez plus loin que le cours. Permet de faire un peu du Scratch. Et voyez que Scratch, vous voyez, Scratch, c'est une façon de coder qui est créée par l'équipe de Scratch et qui est, je crois que c'est une licence assez ouverte, hein. Je ne sais pas c'est quoi la licence, mais elle est assez ouverte. Et en fait, Google a fait la même chose, ce qui s'appelle Blocks. Google Blocks. Ils ont fait le même code que Scratch, qu'ils ont ouvert à la communauté. Google. Ah non, c'est pas Google. C'est Google Blocky. Blocky. Voilà. Ils ont fait la même chose que Scratch. Ils ont ouvert leur licence, mais je sais pas à quel point non plus, vu que c'est Google. Et vous pouvez faire exactement la même chose. En gros, vous allez sur GitHub, vous clonez le projet de Blocky et vous pouvez directement faire des projets en Blocky sur le web et permettre à votre communauté de faire du code sur le web. Bon, c'est un peu plus chiant, un peu plus complexe, un peu plus sérieux. C'est pour ça que je ne vous montre pas Blocky. Mais vous voyez l'idée. Vous pouvez faire gérer des bases de données, vous pouvez faire des actions sur le web, vous pouvez lancer des API sur Twitter. Il y a plein de choses que vous pourriez faire en Blocky.
pour autant que vous trouviez quelqu'un qui a fait le code qu'il faut. Par exemple, ici, vous voyez que Adafruit, qui est un petit composant électronique, bah, ils ont une adaptation. Par exemple, j'ai un Little Bit, je crois. Comment il s'appelle encore ce truc ? Deux secondes. Et j'ai retrouvé ma boîte. Et ça s'appelle un Microbit. Microbit. Moi, j'ai ce petit composant qui s'appelle un Microbit. Et ce petit composant, bah, eux, le code qu'ils ont fourni à la communauté, c'est sur bloc. Si vous voulez faire du code pour ça sans devoir faire du Python, des langages extrêmement compliqués, vous avez un site web ici où vous pouvez aller et il va se connecter avec votre appareil et il va vous permettre de faire du code sur le site web et de le pousser sur l'appareil. Donc du coup, les gamins n'ont pas besoin d'apprendre la programmation en tant que tel, ils peuvent juste faire des blocs comme on a fait et puis pousser là-bas. Et sur Scratch, alors je n'ai pas assez de microbits pour tout le monde, j'en ai qu'un seul, mais sur Scratch, vous pouvez voir qu'on peut ajouter des petits modules. On ne peut pas ajouter des modules à nous, mais on peut ajouter des modules à eux. Et le fait de dessiner, le fait de faire de la musique, le fait d'utiliser la caméra et le micro, le fait de traduire des textes ou de simplement faire du bruit avec du texte, on a des Lego et on a le bloc ici. Et on a ces deux éléments qui nous permettent de rajouter des boutons, de s'amuser comme des gamins sur Scratch avec des vrais boutons. C'est trop génial. Ça veut dire, c'est fun, c'est cool. Vous pouvez apprendre à faire du code un peu plus professionnellement. Et alors, sur Unity, j'ai trouvé récemment un plugin qui permet de faire ça. Donc, vous voyez que ici, j'ai mon petit vaisseau. Si je fais play, qu'est-ce qu'on voit ? Comment est-ce qu'on lit ça ? Ici, je dis quoi ? Quand on pousse sur play, le frame time, c'est-à-dire le frame rate de mon image, sera de 100 images par seconde. La vitesse du frame, donc la vitesse de déplacement que j'aurais dû mettre, est-ce que je peux le changer ici ? Est-ce que je peux le renommer ? Je sais pas, je connais pas encore assez. La vitesse du frame, donc c'est, j'ai été ici dans variable, j'ai créé une nouvelle variable, ah c'est ici. Hop, est-ce que je peux le renommer ? Pas certain, je sais pas comment on fait pour le renommer. Vous voyez que ça le problème, c'est que j'ai retrouvé un code qui fonctionne comme Blocky, comme Scratch, mais vu que le gars, il est pas aussi connu que Blocky et Scratch, oui, ça a la même gueule, oui, c'est bien foutu, mais il y a des petits bugs, des trucs qu'il n'y a pas dans Scratch et tout. Scratch, il est peaufiné, il y a des milliers d'enfants qui jouent dessus, donc du coup, tous les bugs, ils ont été résolus. Et donc, vu que c'est la société vit sur Scratch, tous les bugs vont être vite résolus. Alors que ici, il gagne de l'argent avec un asset sur l'asset store, mais il n'en gagne pas assez pour pouvoir passer du temps. Et donc, vous voyez qu'il y a des petits problèmes de pixels, il y a des trucs qui sont pas renommables, il y a des trucs comme ça, donc... Ça marche, mais c'est pas terrible. Mais c'est pas grave, on peut déjà faire beaucoup de choses avec ça. Donc du coup, sur son asset à lui, on a le fait de cliquer. Je dis qu'on définit la vitesse de déplacement ici, l'angle de déplacement. On a une petite « je bouge mon vaisseau à zéro quand le jeu démarre », ici. Et on a le fait de utiliser les flèches comme on a fait dans Scratch. Vous voyez ici, si je bouge, tadaan ! Alors, normalement, le jeu, il est fait pour que la caméra soit vue du dessus, mais si je prends la caméra et que je l'attache au vaisseau, ben, on a le jeu où on peut bouger le vaisseau. Donc ici, vous voyez que je dis, si jamais j'ai le bouton qui est enfoncé, down, je bouge vers une donnée négative à la vitesse per frame, puis j'attends le temps d'une image, frame time. Tadam ! Donc si la frame time, je l'avais mis à 0,1, ça aurait donné ceci. Tadam ! Mais du coup, j'aurais dû accélérer la vitesse et mettre 0,8 pour aller un peu plus vite. Ou 2. Ah ! Contrôle zut ! Il a pas mis de contrôle zut ! Hop. Et j'ai cassé quelque chose. Ah, j'ai retiré le frame time sans le vouloir. Bah, c'est pas grave, ça me permet de vous montrer. Ici, je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai cassé le script. Je suppose que j'ai supprimé la variable frame time ou je sais pas. Donc du coup, ici, il me l'a retiré. On a un bug dans son truc. Du coup, je vais remettre le frame time. Ou je vais juste décider de le charger.
Exemple, load. Voilà, je vais recharger mon ego. Ok, donc, on a notre vaisseau. Je pousse à droite, il va à droite. Je pousse à gauche, il va à gauche. Et il va pas à gauche. Pourquoi il va pas à gauche? Moins 1, axe des Y. Parce qu'il y en a en dessous. Voilà. Y frame per second, frame per second. Ah shit, ah delete. Ah, ça permet de charger des blocs, ok. Donc, en gros, ici, c'est l'ensemble des blocs. Ok. Voilà. Tadam. Donc, j'ai rechargé mon ma sauvegarde. Alors, vous voyez que le vaisseau, il va trop lentement. C'est pour ça qu'on va créer ce qu'on appelle des variables. Ici, vous voyez que j'ai angle qui est là-bas. Et donc, du coup, si angle, je le mettais plutôt à 5, ici, tadam, il va tourner beaucoup plus. Si la vitesse, je la mets à 0,4, ceci, tadam, je bouge beaucoup plus. Et donc, vous voyez que l'idée est la même, hein, c'est juste, on a des parts, on donne des variables pour paramétrer tout ça, on dit si les touches sont enfoncées, on bouge l'objet, et on lui donne un déplacement. Magnifique. Et alors, petite particularité de ce jeu, c'est que lui, il a implémenté le fait de pouvoir tirer. Donc ici, vous voyez que si le jeu débute, je vérifie en permanence que si espace est cliqué, je fais tirer. Et je tire avec le time bullet, qui est une petite variable que j'ai mis là. Time between bullet 0. Donc ici, si je pousse sur espace, magnifique. Et on a un jeu vidéo. Il n'y a plus qu'à mettre des ennemis qui se dirigent vers vous. Et on a un jeu vidéo. C'est parfait, hein? Bon, le truc, c'est que je vous dirais bien, allez, vas-y, on fait un jeu avec ça. Le petit problème, c'est que l'asset, premièrement, il est payant, donc normalement, je suis pas censé vous le donner. Et ensuite, ce petit asset-là, il est pas bien foutu, assez bien foutu. Il est bien foutu, mais il manque 2-3 trucs, je trouve, pour qu'il soit vraiment intéressant, et je le connais pas assez. Par exemple, je sais pas comment je vais faire pour ajouter mes méthodes correctement. Je suppose que ça doit pas être très dur à faire, mais peut-être que c'est dur, c'est parce que c'est pas dur. Faudrait que je l'étudie pour pouvoir vraiment vous dire ça vaut la peine d'utiliser ce code. Ici, vous voyez que quand je vous parlais de portée, pareil dans Scratch, hein, je retourne dans Scratch pour vous montrer. Bon, ici, j'ai, voilà, je retourne en arrière, voilà. Ici, je vous disais qu'il y a une notion de portée. Le code de ma chauve-souris est dans ma chauve-souris. Le code de mon joueur est dans mon joueur. Donc ils ne se parlent pas, ils ne communiquent pas entre eux. Ils sont séparés, sauf si on les a mis en global. Ça, c'est ce qu'on appelle la portée du code. Et ici, vous voyez qu'on a une portée qui est sur le speeder et une portée qui est sur le miner. Si j'aurais bien voulu faire celui-là, il me suffisait de dire à l'événement du début, pour toujours, tu attends un tout petit peu. Attendre, c'est ici. 0,1 seconde. Et tu bouges vers l'avant. Comme ceci. Et alors, tu vas le faire 10 fois. Puis, tu vas le faire une deuxième fois. Comme ceci. Mais vers l'arrière. Voilà, donc je fais play. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tadam! Et on a une plateforme que si on touche cette plateforme, on meurt. Alors je sais pas si lui il a mis des touchés. Je regarde vite s'il a mis des touchés, j'y crois pas trop. Alors ça c'est des listes, je vous en ai pas parlé parce que c'est un petit peu trop complexe pour le moment. Fonction, on s'en fout. Custom, non. Ça c'est juste pour lui dire est-ce qu'on regarde l'objet. Donc en gros, si je veux que lui regarde lui, je peux ici mettre un événement. Ça, c'est ce qu'on appelle des méthodes de rotation. Lookat. Il y en a une en C# pour Unity. On va dire pour toujours, forever, tu regardes le joueur.
Hook hats. Ah non, il a pas ce que je pensais. Je croyais que c'était regarde à l'objet, mais non, c'est regarde vers la droite et bouge. C'est pour le faire bouger à gauche, à droite, en haut, en bas. C'est pas ce que je pensais. Il a pas un look at alors? Turn, rotate. Ah, il lui manque pas mal de choses. Par exemple, je vous montre. Vous voyez les chauves-souris? Si je viens ici et que je dis point toward, ici, donc chauve-souris, yep, hop, hop, events. Non, c'est quand le. Quand il est créé. Quand ma chauve-souris est créée. Pour toujours. Yop, yop, yop. Look. Non, c'est ici. Regardez dans la direction de ma souris. Regardez, c'est trop marrant. C'est ce qu'on appelle un look at. Tadam! Il va regarder la direction de ma souris. Alors, j'aurais pu lui dire, regarde dans la direction du joueur. Vous voyez? Tadam! Bon, c'est moche. Pour ce jeu-ci, c'est moche de faire ça. Mais c'est l'idée. Par exemple, si vous voulez faire un jeu où il y a une petite boule qui vous suit en permanence, et si elle vous touche, vous perdez. On rajoute ici une bombe. Bombe icône. Je regarde s'il y a une bombe qui serait sympa à mettre, sinon je vais mettre celle par défaut dans Scratch. Une mine. 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 Bombe. Icône. Ah, celle-là, elle est parfaite. Copier. J'aime pas le fait qu'il y ait l'ombre, mais c'est pas grave. Remove background. Après, on passe dans Unity. Donc ici, ce qui se passe, c'est que je vous ai montré dans Unity, vite fait, un outil que je vais vous passer pour que vous puissiez le tester. Comme ça, si vous l'aimez bien, vous pouvez l'acheter. Et même si j'ai critiqué que c'était pas terrible, hein, mais en gros c'est pas terrible, mais ça fait le taf. Hein. Tata-ta. Mais après, du coup, on va aller dans Unity et je vais vous montrer comment faire un drone avec du code. Voilà. On va venir. Ajouter un élément. On va rajouter notre magnifique bombe. Voilà. On va lui donner une taille quand même plus petite. Comme vous l'avez compris, pour pouvoir être touchable, soit je dois lui dire le joueur touche la bombe exactement, soit je lui mets un bord rouge. Mine. Donc on va aller lui mettre un bord rouge. Youh! Alors cette fois-ci, j'ai pas la patience. Donc on va dupliquer. Dupliquer. Mine. Dupliquer. On va. Hop. Faire un gros rond. Rouge. De 50, 200, comme ceci. Ah, il retient pas entre les dessins. C'est pas grave. Hop. Copier. Coller. Alt pour le maintenir. Désolé, j'ai pas la patience. Magnifique. Voilà. On a notre magnifique bombe. Ici, qui est là-bas. On va la rendre un petit peu plus grosse quand même. 40. 60. Voilà. On a une magnifique bombe. Et cette magnifique bombe, comment on ferait pour la faire aller vers le joueur? Ben en fait, on a juste besoin de faire ceci. Événement. Bouger à l'infini. Vers. Point toward. Player.
Et l'idée, c'est que si jamais il touche le joueur, on est mort. Donc du coup, il faut le faire bouger un petit peu. On crée une petite variable pour dire que c'est bombe speed, comme ceci, qui est locale à elle-même. On va dire que hop, bombe speed, il est de 0,1 ou de 2. Et on va bouger de 1. Pardon, du coup de bombe speed. Et voilà. On a une bombe, on va plus vite qu'elle, mais en plus de ça, on doit l'éviter en plus des chauves-souris. Les chauves-souris, elles, il faut les éviter de base, mais la bombe nous empêche de rester à un endroit fixe, genre dans le coin là-bas. Alors, le fait de toucher le coin nous permet de nous cacher. Et ça, je ne l'avais pas fait dans mon jeu, mais j'ai l'air d'avoir une idée pas mal. Si je clique sur mon personnage, ici. Voilà. Et que mon personnage vient et que je lui dis « Hey, j'aimerais bien checker à l'infini que si le joueur touche un mur, il bounce. » Alors, c'est ici « If edge bounce ». Ce qui veut dire que maintenant, basiquement, je serai plus capable de me cacher. Parce que quand je touche le mur, je rebondis. C'est horrible. Parce que du coup, il rebondit aléatoirement. Parfait. Parfait, parfait. Ben, c'est cool ça. Ok. Ben, maintenant, il faut faire ça dans Unity, évidemment. Alors, on sauvegarde. Magnifique projet. D'ailleurs, tant qu'à faire, je vais le rajouter au workshop. Donc ici, Edit. Exercice de l'après-midi. Non, c'est l'exercice du matin. Tutoriel. Full tutoriel. Comme ceci. On va aller sauvegarder une magnifique image de ce truc-là. Play, il faut que j'aie des chauves-souris dans l'image. Voilà. Magnifique. On le copie. Ça, c'est ce qu'on appelle du Markdown, ce que vous voyez là. C'est un format d'écriture pour les sites web, les posts, les blogs et les trucs comme ça, où on met ceci est un titre, ceci est un sous-titre, ceci est une image, etc., etc. Et c'est comme ça que je constitue mes cours. C'est ça que vous voyez ceci comme ça. Magnifique. Là, on a notre magnifique jeu d'exemple, et là, on a notre truc qui fera partie de la vidéo de tuto. Notre but maintenant, c'est de le faire dans Unity. Pour le faire dans Unity, il faut qu'on ait des petites variables, 4, qu'on appelle les flottants, et qu'on les déplace un petit peu vers l'avant, un petit peu vers l'arrière, qu'on le fasse tourner, qu'on le fasse monter, des choses comme ça, faire ce qu'on vient de faire à l'instant. Alors, comment on fait ça? On va dans. On crée un projet Unity. Yep, yep, yep. Ça. Pour ce qui est de ce projet-ci, le projet que vous voyez là-bas, ça, je vais en fait vous le passer. Mais évidemment, encore une fois, vous devez acheter la licence hein, pour si vous voulez le continuer après le cours. Moi, je l'ai acheté, voilà. Mais sinon, je vais vous passer ce petit code-là pour que vous puissiez le tester vite fait et voir ce que ça donne. Et ce qui va se passer, pas sur Internet, hein, je veux dire, juste dans la classe, quoi. Ce qui va se passer, c'est qu'on va pas faire cet exercice-là, nous, ici, dans cette vidéo. Du fait que c'est payant, donc ça va intéresser personne. On va créer une petite scène. Même ceci. Dans save, si tu veux. Voilà. On va créer une petite scène ici. Voilà. Je vais l'appeler 2024. 0903 parce que c'est la date du début de mon projet. À chaque fois que je fais un nouveau code, un nouveau projet, je mets la date de début pour pouvoir facilement trier dans mes disques durs. C'est pas obligatoire cette nomenclature, c'est juste moi qui fais ça. Pam pam pam, démo, scratch,
tout drone. Voilà. Alors, dans notre démo de Scratch to Drone, ici, dans ce dossier, on veut créer une petite scène. Créer une petite scène. Une scène, c'est un élément Unity, c'est un level. C'est, il y a des objets, il y a des monstres, il y a du code. Et cette scène, on va l'appeler Demo Move Drone. Voilà. On a notre magnifique Demo Move Drone. Alors, on double-clique dessus pour l'ouvrir. Voilà. Demo Move Drone. Et vous voyez que, pour l'instant, dans notre scène, on n'a pas grand-chose. On a juste ce qu'on appelle une caméra. Que je vais mettre en perspective pour que ce soit comme dans un jeu normal en 3D et pas un jeu 2D. Ok. Vous voyez que ça, c'est ce qu'on appelle Unity 3D, si on ne l'a pas déjà vu hier. L'inspecteur, c'est tous les petits bouts de code qu'on va rajouter sur des objets. La hiérarchie, c'est des endroits où on va mettre des objets. Genre ici, vous voyez que je peux mettre un poids vide, c'est un poids qui est invisible. Hop, hop. Qu'on va appeler drone. D'accord. On peut y ajouter un objet qu'on va mettre qui est un cube. Et alors, vu qu'on a fait le cours d'hier, normalement, vous avez accès à un magnifique cube que vous pouvez mettre à la place de ce cube. Ok. Vous voyez qu'il est tout gris, donc il faut rajouter une lumière directionnelle, qui veut dire du soleil. On pourrait le mettre une autre lumière, mais là, on va mettre du soleil. Et voilà, magnifique drone, maintenant. D'accord, c'est un cube. On peut le bouger comme ça, on peut le bouger comme ça, on peut le bouger comme ça. On peut le tourner, on peut l'agrandir. Vous voyez que ça affecte le transform. Le transform, c'est sa position, sa rotation et sa scale, qui veut dire sa taille. Donc ici, si je change ça, ça revient à faire ceci. Et ici, tourner. Alors, l'X, c'est le rouge, là-bas. Y, c'est le vert là-bas. Sauf que c'est le Y global que vous changez ici. Et le Z, là-bas, c'est l'espèce de truc bleu. Donc si vous tournez sur le Z, vous tournez sur l'axe bleu. Donc si vous bougez sur l'axe bleu, c'est cet axe bleu-ci. Si vous bougez sur le Y, c'est ici. Et si vous bougez sur le X, c'est là-bas. Parfait. Pareil pour le X, Y et le Z. X, Y, Z. Magnifique. On va revenir en arrière. Ok. Ce cube qu'on a appelé notre magnifique drone, c'est un point vide dans lequel on a mis un cube. D'accord ? On veut pouvoir le déplacer. On va pas le déplacer à la main pendant que le joueur joue, donc il va falloir utiliser des petits bouts de code. Et en Unity, des petits bouts de code, c'est ce qu'on appelle des composants. D'accord ? Vous allez voir que c'est directement un peu plus compliqué que mettre des blocs ensemble. Dans ce composant, on va ajouter ce qu'on appelle un script. Alors si je fais ça, d'ajouter un script ici, attendez, je vais aller plus lentement, add composant, nouveau script, on lui donne un petit nom, mon premier drone, my first drone, voilà, mon premier drone. Pop, pop, pom. Voilà, ça ressemble à ça, un script. On a un petit bout de code qui va parler avec le jeu Unity et il faut lui donner des bouts de texte qui vont lui faire comprendre ce qu'il faut faire. Vous vous souvenez qu'on avait mis dans notre jeu, ici, on a mis des petites variables là-dessus. Donc si je vais sur joueur, pam pam pam, sur chauve-souris, pardon. On a ici des petits blocs, on a appelé Flappy Speed, qui veut dire la vitesse de flap, la vitesse à laquelle on frappe. On aurait pu le faire en fait pour le joueur. Vous voyez ici dans le joueur, joueur, ici, c'est retrouver l'endroit où on bouge. Vous voyez que ici on a mis une vitesse de déplacement à plusieurs endroits ici. On a 10. Tu veux bien dégager par là toi? Ok. Apparemment, il avait le code de la chauve-souris dedans. Ok, c'est pas grave. Ici, on disait, quand on commence, on tourne de nombre de degrés par frame. Ce qui est beaucoup, hein. Mais on n'a pas essayé de gérer cette notion de vitesse de frame, de vitesse de rotation et tout dans celui-ci. Parce que j'étais un peu pressé de vous expliquer tout ce qu'il y avait moyen de faire. Maintenant, ce qui se passe, c'est que j'aurais peut-être pu mieux contrôler tout ça. Ici, en faisant ceci,
je prends une petite variable ici que j'appelle speed rotation angle, comme ceci. Voilà. Cette petite variable, je viens la mettre ici. Je dis que speed rotation angle, il est de 15. Et donc maintenant, speed rotation, je peux le mettre ici. Je peux le mettre là-bas. Et je crois qu'il n'y a pas ailleurs à le mettre. Ok, maintenant... Hein? Non. Maintenant, il faut faire pareil pour le fait de se déplacer. Donc, créer une variable. Speed move. Et... speed move step. Voilà. Pour ce sprite ici, parce qu'il n'y a pas besoin de l'utiliser ailleurs. On décide de dire que sa vitesse speed move step est de 10 ici, vu qu'on avait mis 10. Et vous voyez que normalement j'aurais dû, si je veux le changer partout. Mais là, bah, on n'a pas envie de devoir changer partout à chaque fois qu'on paramètre. Donc en gros, ça nous permet de faire voilà sa vitesse. Voilà sa vitesse. Alors, merde, comment je fais moins? Bah, on va faire une multiplication. On va prendre ce petit bout-là, on va mettre ça, et on va faire moins 1. Tadam! Comme ceci. Moins 1 fois 10, ça fait moins 10. Pareil, plus bas. On avait ici ça. Donc on va prendre notre multiplication, on va la copier. Hop, hop. Voilà. On va mettre ça ici. Voilà. Du coup, maintenant, en fait, si jamais je considère que 10, c'est trop rapide, je peux mettre ici 2. Hop là. Et voilà, je me déplace à une vitesse de 2. Du coup, la mine va toujours me rattraper. Donc du coup, je pourrais décider de le mettre plutôt... à une vitesse de 6. Tadam! Maintenant, si je considère que tourner, c'est un peu trop lent, il me suffit de venir ici, de mettre 20. Et voilà. Alors, le problème, c'est que là, je suis dépendant de la vitesse d'affichage du jeu, vu que j'ai pas mis que je devais attendre. Donc ici, ce qui se passe, c'est que ces données-là vont dépendre de l'ordinateur du joueur. Pas idéal. Donc, pour pouvoir empêcher des variables sur ça, on va rajouter un petit temps. Ici, on va dire qu'on va attendre, hop, 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 0, 1, 60 fois par seconde. Hop, hop, hop. Ce qui veut dire que maintenant, vous voyez que j'ai un petit problème. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que bien que je lui demande d'attendre 60 fois par seconde, le système de coroutine, donc de ça, de Scratch, est mal foutu. Donc du coup, j'ai beau lui dire je veux ça 60 fois par seconde, il le fait pas vraiment. Alors du coup, je peux essayer de jouer avec, mais c'est pas idéal. Bon, je vais essayer comme ça. Là, c'est 10 fois par seconde. 10 fois par seconde, c'est pas du tout ça. Et donc du coup, ce que je vous conseille, c'est de ne pas utiliser les weights, parce qu'ils ont tendance à bugger. Ils ont tendance à bugger dans Scratch. Donc, mais normalement, on aurait dû mettre un wait pour pouvoir éviter ce genre de problème. Tadam! Alors, tout ça pour dire, pourquoi est-ce que je vous montre ça? C'est parce que dans Unity, on a aussi besoin de variables. Ces variables-là, on va la mettre ici. Public. Float. Float, ça veut dire je veux un chiffre qui a des virgules. Voilà. Move. Drone speed. Alors j'aurais pu écrire ceci, sauf que ça c'est la façon dont on écrit en Python. Qu'en Python on met des petits underscores comme ça entre chacun des mots. En C Sharp on utilise une autre méthode. Alors vous voyez que ici j'ai des majuscules devant. C'est ce qu'on appelle du snake case. On va mettre des camel et snake case. Non, snake case c'est celui-là je crois. C'est camel case et. J'ai déjà oublié, désolé, j'ai une mémoire d'écureuil et des fois... Mais basiquement ici c'est du camel case et on va mettre des majuscules pour casser le mot. My first drone. Ici, ça, je crois que c'est du snake case. Alors on va vérifier. Pour pas dire de bêtises.
In snake case. Voilà, snake case avec les petits underscores. Snake case, voilà. Ouh. Et alors camel case. Camel case. C'est ici avec un C et on commence avec 0 ici. Et alors il y a un autre qui est quand on commence avec une majuscule, mais j'ai encore oublié le nom. Voilà, on commence avec une majuscule. Camel case, capital word. Enfin, vous voyez l'idée. Alors, Pascal case quand on commence avec une majuscule. Pascal case. Ok, tout ça pour dire. On est dans Unity. On a notre cube, on aime bien faire qu'il se déplace et qu'il se déplace avec une certaine vitesse. Donc ici, nous, vu qu'Unity il est en camel case, on va écrire ceci, move drone speed. Le truc, c'est que moi j'ai une convention nommage qui m'appartient et que la communauté utilise un peu aussi, mais un peu, on a des petites différences par-ci par-là. J'ai tendance à mettre m underscore, et m underscore c'est pour dire ceci est une variable membre, c'est un petit bout de code qui appartient à cette classe-là. Ça n'a pas beaucoup de... Vous allez comprendre que, en gros, ce qui se passe, c'est que float x, voilà, aussi, float x, c'est-à-dire cette petite case de mémoire où je vais stocker les données, elle existe que là-bas. Alors que ici, elle existe dans le jeu et elle restera toujours liée à cet objet-là. C'est un peu ça la différence, mais je ne vais pas aller trop loin sur ce sujet-là, mais je veux dire, voilà, c'est pour ça que je mets m underscore. Tout ça pour dire, je vais trop loin. Nous, tout ce qu'on veut faire, c'est déplacer notre objet. Donc, on a un move drone speed. Alors, vous voyez le fait que j'ai respecté les petites cases là-bas. Quand on va retourner dans Unity, on va avoir maintenant une nouvelle case qui va apparaître. J'attends que ça charge parce que Unity, c'est lent. Voilà. Tadam ! Move drone speed. Le fait que j'ai respecté le camel case fait qu'on a une petite nomenclature ici toute chouette. Donc, si je fais play, bah, il va rien se passer. Bah oui, parce qu'on a un cube dans un jeu. Magnifique, mais ça ne nous aide pas. Qu'on veut le déplacer, ce cube-là. Donc, on va aller dans le update. Et le update, c'est comme pour le forever. Vous souvenez qu'ici, on avait un forever. Il dit pour toujours. En fait, c'est à chaque fois, il repasse dedans tous les x temps. Bah, c'est pareil. Ici, c'est un forever, mais un peu différent. Donc, à chaque dessin de l'image, il va passer là-bas. Donc, on va dire qu'on veut bouger un objet. On va faire public. Transform. Transform, c'est le... Vous vous souvenez de la petite case où on avait X, Y, Z, c'est le fait de bouger. What to move. Qu'est-ce qu'on veut bouger? Hop, hop, hop. On retourne dedans, dans l'éditeur. Voilà. Ici, on a un petit transform. C'est une petite zone où on va pouvoir déposer ce petit truc-là. Vous voyez que ça, c'est la position, sa rotation et sa taille. Prendre ça et on va le déposer là-bas. Ce que je veux bouger, c'est cet objet-là qui représente ceci. Cet objet-ci. Donc je veux prendre cet objet-là et je veux le faire aller vers l'avant. Donc aller sur les Z, le petit truc bleu là. Donc je vais dire what to move, translate pour dire je vais vers l'avant, je bouge, vers où? Vers l'avant. Et alors là, il y a une petite nuance en C#. Enfin, une petite nuance tout court. En C#, si je mets update, ça peut aller à 200 frames par seconde, des fois à 100, des fois à 10, ça va dépendre de à quel point le jeu a du mal. Donc, le temps entre chacun des dessins va être variable. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, bah, donne-moi le temps de la dernière fois que tu as dessiné un dessin. Donc, si c'est 60 fois par seconde, c'est 0,05. Si c'est 20 fois par seconde, ça va être un peu plus bas. Si c'est 200 fois par seconde, ça va être très court. Donc, donne-moi la dernière fois que tu as dessiné le temps que ça t'a pris. Et on va multiplier ça par la vitesse du drone, à quel point on veut qu'il aille vite ou pas. Et donc du coup, ça va aller vers l'avant à la vitesse qu'on lui a demandé. Ok, on sauvegarde, on retourne. Je sauvegarde ici, hop, hop, hop. Alors il faut savoir que Scratch, ce truc-là, c'est ce qu'on appelle du langage interprété. C'est-à-dire qu'on envoie des petits bouts de code et au fur et à mesure, on l'interprète, on le fait. C#, c'est un langage compilé. C'est-à-dire que pour qu'un seul bout de code changé fonctionne, il faut que tout le truc soit recalculé pour la machine. Donc en gros, à chaque fois qu'on va modifier ici, Unity va recompiler pour qu'on puisse tester là-bas. C'est chiant, mais c'est la vie. Donc ici, quand je vais faire play, you, voilà, mon cube, il est parti.
Adieu, joli petit cube. Bon, bah du coup, faudrait peut-être pouvoir le contrôler, sa vitesse. Ce qu'on pourrait faire, c'est ceci. On rajoute une petite case. Et on l'appelle Speed Percent. Comme ceci. Et alors, en Unity, il y a un truc qui est trop chouette qui s'appelle les ranges, qui va nous permettre de dire elle va de moins 1 à 1. Comme ceci. Et ça va nous donner, vous allez voir, un petit truc graphique sympa. Donc, du coup, ici, on va pouvoir dire tu multiplies la vitesse forward par. Multiplier, comme ceci, speed percent. Donc, on prend. Je vais rajouter des parenthèses. On prend le temps qu'il faut pour passer une seconde. On le multiplie par la vitesse du drone et par le pourcentage qu'on lui donne pour aller plus vite ou plus lentement. Et ça, on le fait vers l'avant. On sauvegarde. On y arrive. Voilà. On a notre magnifique cube. Je vais faire play et il ne va pas bouger. Pourquoi? Parce que 0 multiplié par ce qu'on veut, ça fait 0. Et si je le bouge un peu par là, il va devant. Si je bouge un peu par là, il va derrière. Magnifique. Alors, je vais vous montrer un truc qui est un peu particulier. Si je prends mon cube et que je le tourne comme ça, il va aller par où? Il va aller par là ou par là? Vous voyez qu'on a un petit problème. En fait, là, je lui ai dit va devant par rapport au monde de Unity, donc par rapport à ce petit axe-là, donc le Z qui est là-bas. Donc en gros, il va comme ceci et il va pas comme cela. Ok, mais du coup, ça, pour pouvoir définir ça, c'est ici que ça se passe. On va lui dire virgule. Donc on dit peux-tu prendre mon objet transform? Peux-tu le déplacer? C'est ce qu'on appelle une méthode de classe. On appelle la méthode déplacer de la classe transform. Peux-tu le déplacer vers l'avant? Et alors vous voyez qu'on peut lui donner plusieurs paramètres. Ici, on peut lui donner une position pour donner vers où ça va. Un axe x, y, z, ou en plus de ça, une autre petite variable qu'on dit un énumérateur, c'est-à-dire une liste de choses. Et dedans, ici, si je mets space, vous voyez, la liste de choses, c'est self ou world. Est-ce que je veux bouger par rapport au monde ou par rapport à moi-même? Nous, c'est self. Par rapport à moi-même, je veux aller vers l'avant. Donc maintenant, je retourne dans le jeu. Alors, ça ne va pas nous aider, vous allez comprendre pourquoi, mais. Alors, si je prends mon personnage comme ça et que je fais play, voilà, tadam, je peux le bouger. C'est magnifique, hein? Ok. Donc, notre objet, maintenant on peut le bouger, c'est chouette. On fait aller vers l'avant, mais il faut pouvoir aller vers la gauche et vers la droite. Donc, du coup, ça ne doit pas être beaucoup plus dur. Ici, on prend ça, on copie, comme ceci. On dit qu'on ne veut pas aller vers l'avant, mais qu'on veut aller vers la droite. Et ici, speed person, on va devoir le renommer. Alors on va faire clic droit, renommer. Speed person forward, pour dire vers l'avant. Non, il nous faut speed person right. La strafe latérale. Comme ceci. Ok. Magnifique. Donc, ça va nous permettre de le bouger. Ici. Voilà. Maintenant, il nous faut un autre axe. Celui qui est d'aller au-dessus. Donc, vertical. Personne vertical. Comme ceci. Voilà. Vertical. Et vertical, c'est up. Comment je sais tout ça? Ben, en fait. Comment est-ce que je sais qu'il a ça? C'est soit en utilisant le code et en mettant mon curseur dessus et il me donne des infos, soit en allant directement dedans, je fais aller voir et j'ai plein plein d'infos sur ce qu'il y a dedans, sur ce que c'est le code derrière. Soit je vais suivre un tuto sur le web, genre sur YouTube, où j'ai un objet Unity 3D. Hop, hop, hop.
C'est pas studio, moi, ce que je sais. Allez sur YouTube. Voilà. On a plein de petites vidéos sur comment on fait pour bouger des objets en 3D dans Unity. Déplacez votre objet. Tadam, lui va tout vous expliquer. Donc du coup, vous avez soit le manuel, soit comprendre vous-même, soit lire le code, soit aller sur YouTube. Et il y a une autre matière qui est celle que vous connaissez tous, parce que ça a chamboulé notre vie, c'est ChatGPT. Comment bouger un cube dans Unity 3D. Et là, il va vous dire, ah, c'est simple, pour bouger un cube dans Unity 3D, vous avez besoin juste de faire ceci. Donc, il va vous expliquer que vous mettez un petit cube, que vous mettez un script C#, tatata, vous mettez un petit script ici. Dans le update, vous allez bouger vers une direction avec une vitesse multipliée par le temps passé. Et voilà comment on fait pour bouger un cube. C'est-à-dire que si vous posez beaucoup de questions à Unity, il va vous répondre pas mal de trucs. Par exemple, ici, il vous parle de la physique et de rigid body, c'est le fait de donner de l'apesanteur à votre objet. Il y a différentes manières de bouger un cube, soit en bougeant, en téléportant sa position, soit en mettant des forces et en le poussant vers l'avant ou en le poussant vers le dessus. Donc voilà. Basiquement, c'est comme ça qu'on peut apprendre, c'est juste trop cool. Alors, la plupart de mes collègues et la plupart des gens vont vous dire... N'utilisez pas les IA pour apprendre. Parce que, basiquement, si vous faites des copier-coller, vous n'allez pas pratiquer, donc du coup, vous n'allez pas apprendre correctement. Je suis d'accord. Je suis totalement d'accord. Et en même temps, moi, j'ai appris à coder des add-ons, des codes et des trucs comme ça en Lua sur WoW. Sans l'IA, j'y serais jamais arrivé. L'IA, je lui dis comment on fait une variable en Lua, il va me montrer comment on fait une variable. Comment on fait une méthode en Lua, il va me montrer comment on fait une méthode. Comment on fait un random, donc un chiffre aléatoire, il va me le montrer. Donc en gros, il ne faut pas que je fasse du copier-coller tel comme un sauvage, mais si je ne sais pas où trouver la formation, de toute façon, je vais aller sur Google, je vais poser la question, je vais tomber sur un forum, il y aura un code, je vais le copier-coller. Donc en gros, ce que je veux dire par là, c'est pour maîtriser votre code, pratiquez-le. Que ce soit par Stack Overflow, par Google, par des documentations, par ça... Et plus vous allez pratiquer, plus vous allez maîtriser. Et c'est comme ça qu'on apprend. Quand c'est pas comme ça, vous avez un enseignant qui peut vous dire « Hey, voilà comment on fait !» Mais l'enseignant, il vous aide juste pour quelques semaines, pour quelques mois. Après, vous êtes dévoué à vous-même. Donc, il faut directement apprendre à utiliser Google et à lire la documentation. Donc tout ça pour dire. Voilà comment vous auriez pu trouver tout ça sans moi. Ici, on va pouvoir bouger vers l'avant, vers la droite, vers le dessus. Ok. Donc ça, rien de bien nouveau. On a trois sliders, on va pouvoir bouger la chose, chouette. Je vais pour le moment le mettre comme ça juste pour pas vous perdre. Ok, on est comme ça. Donc si je fais play, voilà, hop, vers l'arrière, vers l'avant, vers la gauche, vers la droite. Il va vers la gauche, vers la droite là. 0, 0. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Il va pas totalement dans le bon sens. Et vertical. Ah oui, ok. Forward. Translate. Speed. Drone speed. Up. Right. Forward. Ah. Voilà. Désolé, j'avais mis les deux en latéral. Latéral, forward. Vous allez faire beaucoup de bugs dans Audi. Des bugs, c'est... Un bug, c'est quand quelque chose ne se passe pas bien parce qu'il y a eu un insecte dans la machine. Quelque chose qui n'est pas maîtrisé. C'est pas vraiment des bugs quand vous codez mal, mais on appelle ça des bugs. Alors, allez vers le bas, allez vers là-dessus, allez vers la gauche, allez vers la droite, allez vers l'avant, allez vers l'arrière. Magnifique. Alors là, on voit pas le cube parce qu'il rentre dans la caméra. Il faut savoir que la caméra, elle a une sorte de champ de vue. Ici, si vous regardez... Voilà, il y a une sorte de cône et c'est là qu'il passe. Et s'il n'est pas dans le cône, on ne le voit pas. Et en fait, ici, il y a un cône et on peut le descendre si on veut à le mettre comme ceci ou le mettre plus bas pour dire non, l'objet il peut vraiment m'approcher très très près. Mais des fois, c'est pas voulu. Des fois, il vaut mieux pas faire ça quoi. Et ça, c'est à quel point il peut être loin. Ok, magnifique. On a un cube, on a notre caméra. Yep, voilà. Ça, c'est la caméra, c'est le rendu graphique. Ok. Notre cube, on peut l'avancer, on peut le reculer. C'est magnifique. On voudrait maintenant le tourner.
Donc si on regarde sur ChatGPT ce que veut dire tourner, il va nous dire, hey, vous pouvez utiliser la méthode qui s'appelle rotate, comme ceci. Et rotate va vous tourner votre objet. Donc ici, voilà, si je dis ça, il me dit, je veux tourner sur l'axe up. Donc l'axe up, c'est ceci, c'est une petite particularité. Comment on dit pour tourner? On dit tourner autour d'un axe. Vous voyez ici, à droite, devant, au-dessus. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est tourner sur l'axe de Y qui est au-dessus. On va tourner comme ça autour de l'axe Y. Et donc, du coup, on va dire tourne autour de l'axe up d'un certain angle. Donc ici, on va rajouter rotate drone speed 180. Comme ceci. On peut, par exemple, rajouter ce qu'on appelle tooltip, des commentaires. In angle value. Tooltip. Hop, hop, hop. In meter value. Voilà. Alors, soit vous mettez dans le nom de variable que c'est en mètre, comme ceci. Meter per second. Mais ça fait des noms de variables un peu longs. Comme vous pouvez voir. Angle per second. Soit vous les mettez dans les commentaires ici. Per second. À vous de voir. Moi j'aime bien les noms de variables longs parce que ça me permet d'être clair sur ce que je fais. Mais c'est vrai que le code devient un peu indigeste dû à la longueur de ces variables et qu'il faut avoir un grand écran. Beaucoup de développeurs vous diront non, ça ne doit pas dépasser plus de 20 à 30 caractères, donc ça doit être maximum à cette longueur là pour que ce soit lisible, et donc du coup mettez pas des longs noms de variables parce que du coup vous allez devoir faire ça dans votre code, ce qui n'est pas très très idéal pour pouvoir le lire. Vous voyez, translate ta, ça devient un peu lisible. Et ça, c'est tout un le monde de développer. Apprendre à coder, c'est pas nécessairement apprendre à savoir faire des choses, c'est aussi apprendre à faire du code qui est lisible, réutilisable et tout. C'est tout un métier. C'est pour ça que ça prend des décennies d'être devenir un bon développeur. Bon, ok, on a notre rotation. Ouh, magnifique. On dit qu'on veut tourner notre objet, on veut le tourner sur l'axe des up de 180 degrés. Ben non, pas de 180 degrés, mais de ce que le designer va me donner. Multiplié par le nombre de temps qui passe pour une seconde, multiplié par la vitesse, non pas latérale, mais une vitesse de rotation. Speed, angle, percent horizontal. Horizontal. Voilà. Magnifique. Et donc ici, on va tourner de cet angle-là. Hop. 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 Donc, je vais bouger mon objet sur l'axe up pour un temps qui est géré, pour une vitesse qui est proportionnelle au temps qui passe. Selon l'angle qu'on m'a donné et selon le pourcentage de puissance que le joueur veut pour tourner. Et ça, on le fait sur nous-mêmes et pas sur le monde. On sauvegarde. Voilà. On retourne dans Unity. Voilà, on a notre magnifique cube. On fait play. On va tourner. Hop, on va avancer, on va monter à gauche, à droite, monter en haut, et on a un magnifique cube. Alors, le seul petit défaut pour le moment de notre magnifique cube, c'est que oui, il fonctionne, c'est magnifique. Sauf que si je fais ça, vous n'avez pas l'impression qu'il y a un petit problème, hein. En gros, il tourne à sa gauche, et vu qu'il est incliné par rapport au sol, ça va pas être facile à piloter en fait. Et donc, il va falloir qu'on change un petit peu ça. Alors la vitesse, je vais la mettre un petit peu plus basse. Pour pas qu'il se barre à 10 km. Hop, hop, hop. Voilà, on a notre magnifique cube. On veut qu'il tourne un petit peu à droite, un petit peu vers le dessus. Voilà, et on va le faire tourner.
Sauf que ici, si je le fais tourner comme ça, vous voyez que j'ai un petit problème. C'est qu'il tourne dans une position qui n'est pas très contrôlable en fait. Faut le tester pour le comprendre, mais c'est pas facile d'avancer et de reculer avec un objet qui va dans cet angle-là. Donc ce qu'on aimerait bien faire, c'est pas nécessairement le faire tourner en fait finalement. C'est lui donner une certaine rotation dans l'espace. Et c'est ça que on va devoir un petit peu changer notre fusil d'épaule ici. On va, comme dans Scratch, je vous montre. Dans Scratch, quand on gérait notre rotation, ici notre fameuse rotation de notre magnifique drone, vous voyez qu'en fait tout ce qu'on faisait c'était tourner un angle sur un axe. Je vous montre. Ici, vous voyez l'angle là-bas, il change. Donc ici, oups, on va le faire tourner. Donc en gros, c'est un angle sur un axe dans lequel on va ajouter et retirer un angle. D'accord? Et c'est ça qui va nous permettre de contrôler notre drone. C'est ce qu'on va faire. Plutôt que de le faire tourner sur lui-même et de risquer dans la 3D de se perdre dans les rotations, on va lui donner un angle. Public, float, horizontal, horizontal, angle égal 0. Il a un angle de 0. Alors, on peut aller de ici, youp, de 0 à 360 degrés. Donc, en gros, ici, c'est range de 0 à 360 degrés. Comme ceci. Et notre objet, on va lui dire, hey, petit objet, what to move? J'aimerais bien que ta rotation, voilà, ta variable rotation, vous vous souvenez de cette petite case-là, c'est ce qu'on appelle une variable, le type de la variable et son nom. Son nom c'est rotation et son type c'est quaternion. Je vous explique pas ce que c'est un quaternion parce que c'est des maths complexes, mais c'est juste un truc qui permet de dire voilà ma rotation. Et Euler, c'est un truc en mathématiques qui dit je te donne 4 axes, x, y, z. Et ça va nous permettre de te donner ta rotation. Donc x, y, z, je vous montre. Ça, c'est le y. Donc si je bouge sur le y, ça, c'est le x. Alors, attendez, je vais revenir en arrière. Je vais me mettre dans le bon sens. Voilà. Comme ceci. Voilà. Alors, Euler, c'est quoi? Vous voyez que ici, il y a 0. 0, 0. D'accord? Le x, c'est on tourne sur l'axe des x, là-bas. Donc je tourne sur l'axe des x. Puis le y, c'est je tourne sur l'axe des y, ce truc-là. Et puis ici, il y a le z qui veut dire je tourne sur l'axe des z, ce truc-là. Vous voyez? Y du world, x du world. Donc celui-ci, et Z du world, celui-là. World, c'est du monde Unity. Donc là, vous voyez que c'est pas sur ce Z-là, hein. C'est le Z qui est là-bas, qui est là-bas. Vous voyez? Et ça, c'est parce que dans l'éditeur de Unity, ici, il est en world. Mais nous, c'est pas en world qu'il est, il est. Enfin, si, il est en world. Voilà. Donc en gros, c'est. On peut soit tourner sur l'axe de Unity, soit tourner sur l'axe de l'objet. Vous vous souvenez, c'est le fameux space self pour dire moi-même ou space world pour dire sur le monde. Nous, ce qu'on veut dire, c'est le quaternion, ta rotation dans l'espace du monde de Unity, son x, ça, il est à 0, donc il sera comme ça. Son y, il sera donné par le joueur, donc ça va être contrôlé par le joueur. Et son z, c'est-à-dire ça, il sera à 0. Donc en fait, le joueur ne pourra faire que ça. Donc ici, c'est ça qu'on est en train de lui dire. Tadam! Donc du coup, quand le joueur demande de bouger, c'est pas vraiment qu'on lui demande de tourner comme ceci, sur lui-même. Non, on demande de faire if, pas if, plus m horizontal angle, plus égale une valeur.
Et cette valeur, c'est le nombre d'angles par seconde multiplié par le temps qui passe, multiplié par la puissance que le joueur veut donner avec son joystick. On ajoute cet angle-là. Et donc maintenant, si on fait ça, on revient dans Unity, ça charge, ça compile. C'est pour ça que ça, des fois vous me voyez attendre sous l'écran, c'est juste que ça compile. Ce qui va se passer, c'est que du coup maintenant, sa rotation va être ce qu'on appelle figée. C'est-à-dire que vu que je la modifie, on ne peut pas vraiment la modifier en la poussant ou en la cognant ou des choses comme ça, elle ne pourra plus tourner, elle sera figée par moi-même. Vous voyez que ici, si j'essaie de le tourner, ici, ça me laisse plus le tourner. Bah oui, parce qu'en fait, maintenant, c'est contrôlé par le code que j'ai donné. Vous voyez que ici, si je suis à 0, si je suis à 300, ça me bouge ma donnée. Et donc, du coup, ici, si je prends mon angle, hop là, à droite, à gauche, tadam! Et si je veux tourner plus vite, je peux faire 360 degrés par seconde, et à ce moment-là, il va tourner plus vite. 720, 1080, 10, alors là, 10, c'est très lent. Et vous voyez un peu l'idée. Donc ici, maintenant, je vais pouvoir dire, bah vas-y, 90 par seconde, je veux aller vers l'avant, de A. Hop là. Hop là. Donc ici, je vais dire vers l'avant, vers l'arrière, vers la droite. Je veux tourner un peu. Alors là, c'est quand je le tourne manuellement, c'est pas une bonne idée. Tourner à droite. Tourner à gauche. Magnifique, hein? Alors là, pour le moment, ce qui se passe, c'est que notre objet, il est sans gravité. Alors, qu'est-ce que je veux dire par sans gravité? Si je mets un mur devant, comme ceci, voilà, et que je fais play, que je prends mon drone et que j'avance, alors il faudrait que je change ça parce que là il est trop lent, je rentre dans le mur. Ouais, mais non. Pourquoi? Bah, c'est parce qu'en fait, on a une boîte. Le petit truc vert, c'est ce qu'on appelle un collider. C'est-à-dire, j'ai un truc qui me permet de dire, j'ai un espace, je peux pas prendre un autre objet. Mais j'ai pas un truc qui le rend existant. Parce qu'en gros, si tous les objets étaient calculés dans un jeu vidéo, ça prendrait trop de ressources. Donc en gros, seul l'objet qui a une gravité sera calculé. Donc niveau de la physique. Donc sur mon drone à moi, il faut que je rajoute ce qu'on appelle un rigid body. Et rigid body, ça veut dire tu as une existence niveau de la physique qui permet de bouger. On va enlever le gravity parce qu'on ne veut pas qu'il tombe en permanence. Et maintenant, normalement, quand je vais bouger l'objet, il va se prendre le mur. Alors, vous allez voir. On va le mettre à A. Voilà, il se prend le mur. Donc maintenant, je peux me prendre des murs. Tadam! Magnifique! Alors, petite particularité par contre, si je prends mon objet et que je le tourne, mais je pourrais pas le tourner. Mais petite particularité, c'est que des fois, il pourrait se prendre un objet et se faire éjecter et tourner dans tous les sens. Et donc, du coup, j'ai envie de vous montrer un exemple, mais je sais pas trop comment vous montrer un exemple comme ça. Mais basiquement, si je le frappe sur le coin ici, si je renvoie une grosse boule sur le coin ici, il va commencer à faire ça en permanence. Et pour l'arrêter, il va falloir attendre le temps, ce qui s'appelle le frottement, le drag. Et en fait, plus le drag est élevé, plus il va ralentir avec le temps et se remettre stable. Mais en gros, c'est ça qui permet de faire de la physique dans le jeu, que les objets se touchent comme s'ils étaient dans l'espace, et qu'ils tournent, qu'ils fassent plein de physique. Mais nous, vous allez comprendre vite en l'utilisant. Et nous, ce qu'on veut pas, c'est justement qu'il bouge dans tous les sens. On veut maîtriser sa rotation. On va ici rajouter un freeze rotation pour dire non, la rotation, c'est moi qui la gère. La position, tu peux la gérer, tu peux me pousser plus loin si tu veux, mais la rotation, c'est moi qui la gère. Voilà. Alors, notre magnifique cube, du coup, maintenant, c'est trop cool. Il peut plus, en ayant un rigid body, il peut plus prendre les murs. On peut contrôler sa vitesse avec notre code. Que je vais augmenter. Parfait.
Maintenant, ce qui se passe, c'est que j'aimerais bien pouvoir quand même y jouer, moi, avec mon petit personnage. Alors, c'est un petit peu particulier. Parce que je peux vous montrer l'ancienne méthode, mais c'est pas une bonne idée que je vous la montre. Mais je vais vous la montrer juste pour l'exemple, et puis après, je vais la retirer. Dans l'ancienne méthode Unity, ce qu'on faisait, c'était ceci. Float, axe, x, axe, horizontal, égal, input.horizontal. Voilà. Vertical. Il y a input.vertical. Voilà. Donc là, je lui demande son axe horizontal et vertical sur un joystick de la Xbox. Ensuite, je vais dire pourcent forward égale vertical, pourcent latéral égale horizontal. Oups. Comme ceci. Je sauvegarde. Je reviens dans Unity. Et alors, si jamais mon Unity est dans l'ancienne version, ça va marcher. S'il n'est pas dans l'ancienne version, ça va pas marcher. On va voir. Parce que je crois qu'il est déjà dans la. Je crois qu'il est déjà retiré dans celui-là, l'ancienne version. Alors, on va essayer. Play. J'attends que ma Xbox soit reconnue. Non, ma Xbox n'a pas l'air de vouloir se reconnaître. On va prendre l'autre manette. Voilà. Donc ça va, ça marche. Je suis toujours dans l'ancien système, donc ça marche. Vous voyez que à gauche, à droite, en face, derrière. Donc ça, c'est l'ancien système. Dans l'ancien système, ça c'est pour la manette, mais ça marche aussi pour le clavier. Sauf que ça ne marchera pas toujours. Dans le sens où si vous êtes en anglais, ce ne sera pas les bonnes touches. Si vous êtes en français, ce ne sera pas les mêmes bonnes touches. Si vous êtes sur un clavier un peu spécial, ce ne sera pas les mêmes touches. Si vous êtes sur une Xbox ou une PlayStation, ce ne sera pas les mêmes touches. Donc selon l'ordinateur, la plateforme, le joystick, le hardware du joystick, il y a plein de facteurs qui font que aller à gauche, c'est pas toujours la même touche, aller à droite, c'est pas toujours la même touche. Donc du coup, ici, moi je dis donne-moi l'axe de la manette, mais ça peut être la manette, ça peut être le clavier, mais ça peut être plein de types de claviers différents, donc c'est pas idéal pour fonctionner sur toutes les plateformes du monde. Et c'est ça que je suis en train d'expliquer, c'est que c'est l'ancienne méthode. D'accord? Donc je ne vais pas passer beaucoup de temps à vous montrer l'ancienne méthode. Par exemple, ici, pour les claviers, ça aurait été get keyboard down keyboard keycode W. Donc là, hop hop hop, bol is going left égale ceci. Et left, c'est Q. Donc par exemple, ici, ça me permet de dire, bah, si je pousse sur la touche Q, je vais à gauche. Sinon, j'aurais pu faire else, comme ceci, puis faire float, horizontal égal, et j'aurais pu faire ceci. Voilà. Hop. Et j'aurais pu du coup dire ceci. Donc voilà, ça, ce serait avec le clavier. Donc en gros, je dis, si la touche Q est enfoncée, je vais à gauche. Si la touche D est enfoncée, je vais à droite, je prends un flottant et je lui dis bah, si c'est à gauche c'est moins 1, si c'est à droite c'est 1. Voilà, et si c'est les deux, il faut que je fasse autre chose. Ici en faire plus. Alors ça veut dire plus égal, ça veut dire rajoute-moi de la valeur. Donc ici, la valeur horizontale elle est à 0. Si jamais le gars veut demander d'aller à gauche, je rajoute moins 1. S'il me demande d'aller à droite, je rajoute 1. Ce qui fait que s'il va à gauche, je vais à gauche, sinon je vais à 0. Voilà, on sauvegarde. Les. Encore une fois, c'est l'ancienne méthode, hein. Ok, donc ici, je fais play. Alors, vous voyez que ici, je pousse sur Q, sauf que là, je suis en train de pousser sur A. Je ne suis pas en train de pousser sur Q, je suis en train de pousser sur A. C'est parce qu'en fait, Q, oui, mais en version anglais ou en version français. Et Unity, de base, il est en version anglais dans l'ancienne méthode. Donc là, je pousse sur Q, enfin sur A, et c'est pour pouvoir aller à gauche. C'est pas la bonne touche. En français, c'est pas la bonne touche. C'est d'ailleurs pour ça que la plupart des jeux sont tout mal foutus en Unity, parce que ce système-là était vraiment pas idéal. Donc, on va pas utiliser ce système. On va utiliser le nouveau. Parti pour apprendre à faire le nouveau. Alors, on sauvegarde. On a le même problème dans Scratch. Dans Scratch, les touches du clavier sont pas toujours idéales.
Alors, nous, ce qu'on veut faire, du coup, c'est faire une petite classe. Alors, ça, c'est la classe qui permet de bouger un objet. Vous voyez, on donne quatre axes, on a des flottants, on peut les bouger. Maintenant, il nous faut une classe, donc un petit objet, qui va lire le clavier et qui va bouger l'objet. Vous vous souvenez de la chauve-souris? Ici, j'avais une classe joueur, une classe temps, et les deux communiquent via un événement en disant « Hey, le joueur est mort, donc reset le temps. » Donc les codes sont séparés les uns des autres. C'est ce qu'on va faire. Ici, on a un code qui bouge le drone, on a un autre qui va faire « My input for drone. » Voilà. Alors, vous voyez qu'il y a un petit truc qui n'est pas très propre. Donc, je vous en parle. Quand on fait un projet, il y aura plein de dossiers, plein de fichiers qui vont se créer. C'est ça qu'il y a dans le projet là-bas. Et vous voyez qu'il y a deux scripts qui sont là-bas, qui sont les miens, et ils sont au milieu du foutoir du projet. C'est pour ça que j'avais créé à la base un dossier qui s'appelle Drone Scratch. Donc, je vais prendre les deux là-bas et je vais les déposer dans mon dossier. Comme ça, je suis sûr de ne pas les perdre. Vous voyez, par exemple, ici, celui-là, je ne l'ai pas mis dans mon dossier la fois passée. Et donc du coup, il n'est pas dans le dossier qui est idéal. Et donc en fait, je ne l'ai pas mis en ligne quand je l'ai sauvegardé. Donc tu vois, celui-là, normalement, il devrait être là, mais il ne l'est pas. Donc du coup, il va créer un problème dans le projet de quelqu'un d'autre si je le donne comme ça. Et vu que c'est vous demain le projet de quelqu'un d'autre, autant le mettre au bon endroit directement. Hop, 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 et je vais le mettre dans Runtime. Voilà. Ok, donc nous on a nos deux scripts qui sont là-bas, celui du drone et celui des inputs, le fait de lire les touches du clavier. Et donc on va aller faire ça. Alors, pour lire les touches du clavier, c'est un petit peu particulier. Parce qu'on va devoir installer, ici, dans le Package Manager, donc on va dans Windows, Package Manager. Ici, on va pouvoir mettre Input. Pour dire je veux l'input système, et là vous allez pousser sur install. Moi c'est install, vous c'est moi c'est remove, mais vous c'est install là-bas. Cliquez sur install. Il va prendre un temps conséquent à installer ça. Ah oui, note, il faut cliquer ici sur Unity Register. Donc je reviens, je refais, je refais, je refais. Windows, Package Manager, Unity Register, Input. Et là, on a install. Moi, c'est remove, mais vous, c'est install. Le fait de faire ça va installer le truc. Et puis, ça va vous demander, est-ce que je peux redémarrer le Unity? Vous dites, oui, tu peux redémarrer Unity. Et donc là, il va quitter Unity. Il va sauvegarder. Il va quitter Unity. Vous attendez que ça se relance. Ça va prendre au moins 5 à 10 minutes. C'est très très long. Et une fois que c'est fait, le nouveau code pour les inputs sera installé dans votre éditeur de Unity. Donc le Package Manager, c'est un truc qui permet d'ajouter plein de petits outils. Des drapeaux, des assets de maison, des trucs pour pouvoir bouger, des mathématiques, tout ce que vous voulez, il y a plein plein de trucs qui sont dedans. Vous voyez ici, si je fais ça, on a plein de choses. On a pour exporter des FBX, donc des objets 3D, on a des trucs de Google, on a plein 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 de petits codes qu'on peut rajouter au fur et à mesure de notre besoin. Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est maintenant qu'on a rajouté le input, c'est de pouvoir créer un truc pour le bouger. On va aller là, on va faire créer input. Alors c'est tout en bas. Donc je clique droit, créer, tout en bas. On a input action. Input action. Input action, on va l'appeler drone axis. Et je vais l'appeler input drone axis, comme ça on se souviendra que ce input, ça veut dire entrée, les entrées en programmation. Drone. Axis. Les entrées du drone, et c'est les axes qu'on fait. Ça va nous permettre de dire, voici une catégorie d'entrée clavier, Xbox et autres, qu'on va appeler drone. Et ça, c'est les trucs que le drone il peut faire. Qu'est-ce que le drone il peut faire? Bah, il peut se déplacer horizontalement. Move horizontally. Comme ceci. Et c'est pas vraiment un bouton. C'est plutôt une valeur qui représente un axe. Donc là, il y a plein de différents. On a des poids 2D, on a des poids 3D, on a des sortes de petites axes. Il y a plein de petites données qu'on peut utiliser. Nous, on s'en fout de tout ça, on veut juste un axe. Une valeur qui est un axe. Ce qui fait que maintenant,
Vous allez voir, je vais connecter ma manette. Je clique sur ce truc-là. Je clique ici sur le bouton qui est caché, qui s'appelle Listen. Et en bougeant, tadaan, il me dit que c'est le truc de gauche. Vous voyez qu'il y a Xbox et Gamepad. Si je dis Xbox, ça veut dire spécifiquement quand j'ai la Xbox, c'est celui-là. Mais sinon, je prends le truc générique. Et le truc générique, c'est le joystick de gauche sur les axes des X. Parfait. Maintenant, ce qui se passe, c'est que je vais pouvoir bouger sur l'axe horizontal grâce au joystick de mon gamepad. Sauf que j'ai pas toujours un gamepad. Vous avez un clavier là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter ici un petit add positif et négatif. Voilà. Clic droit, positif et négatif. Et ça, ça nous permet de dire, bah, à partir de valeurs booléennes, on va générer un axe. Et ces valeurs booléennes, ici, c'est l'horizontale, le fait de bouger horizontalement, c'est ici, c'est J, et là, c'est L. Voilà, J et L. Tadam ! Ok, donc maintenant, on va pouvoir bouger horizontalement. Et ici, je me suis planté, parce que normalement, c'est le joystick de droite. Voilà, joystick de droite ou le clavier. Sauf qu'en fait, on pourrait jouer avec le clavier avec des touches, mais on pourrait aussi jouer avec les flèches. Ici, vous voyez, je vais pouvoir dire à gauche, pouvoir dire à droite. Tadam ! Magnifique. Et on pourrait aussi jouer avec le numpad. Donc on va faire ajouter. Ici. Voilà. Je veux bouger à gauche. Je vais bouger à droite. Tadam ! Comme ceci. C'est... Attends, donc gauche c'est 4. Je me suis planté. Droite. Voilà, sauvegarde. Pour le moment, on vient juste d'ajouter un seul axe qui est le fait de bouger horizontalement. On va devoir ajouter après plusieurs autres axes. On aura move forward. Backward. Back to forward. On aura un autre axe qui va s'appeler move vertically. Vertical. Forward. Front. Front. Vertical. Up. Down. Up. Move back. Forward. Move left. Right. Et on a un autre qui est rotate, left, right. Comme ceci. Tadam ! Magnifique. Alors du coup, maintenant, il faudrait que je complète tout ça. Je vais le faire pour le joystick, et puis après, on le fera pour les touches plus tard. Donc, move backward, forward, sur le drone des jouets. C'est l'axe Y. Donc, alors vous voyez que ici j'ai oublié de dire que c'était une valeur et que c'était un axe. Pareil pour tout cela. Voilà. Donc j'écoute à mon joystick de droite Y. Là, down up, c'est le joystick Y de gauche. Sur les jouets que j'ai achetés. Pour les enfants. Et le fait de tourner, c'est left. X, voilà. Donc ça, c'est sur les jouets d'enfants, c'est ça que j'avais. Ok, donc c'est cool. Maintenant, je viens de définir le mapping des touches. Donc, comment on définit les touches de notre manette. C'est trop bien, c'est trop cool. Je vais la sauvegarder. Donc, maintenant, on a le mapping. Maintenant, il faut la raccorder à notre jeu. C'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, sur le petit code qu'on a fait, input for drone, je vais aller dessus. Et je vais aller créer un petit bout de code que Unity nous a préparé. Public input, alors ça c'est la partie où il faut aller voir sur la doc comment ça marche quand on veut savoir comment ça marche, mais on dit input pour dire donne-moi la librairie input de Unity, ici input system, on veut un input action et on veut un input action qu'on appelle référent, c'est-à-dire donne-moi la référence de cette action qui va me servir d'input. Et alors ici ça va nous permettre de choisir une seule action référence. Donc on veut une action pour tourner, de bouger de droite à gauche, move
left, right, donc ici. On veut une action pour bouger de derrière à devant, back, forward. On veut une pour bouger de bas en haut, down, up. Et on veut une pour tourner de gauche à droite. Voilà. Alors on va faire le code après. On va toujours aller voir ce que ça nous donne dans l'éditeur de Unity. On sauvegarde. Voilà. Vous voyez qu'Unity, Scratch est extrêmement bien pour faire des jeux. Ça va très rapidement, c'est très très jouissif. Vous n'irez pas extrêmement loin non plus, mais vous pourrez vous amuser comme des tarés sur Scratch. Unity, c'est lent. Et tous les outils de jeux vidéo, hein, c'est... Il y en a où c'est plus drag and drop, il y en a où il faut juste déposer pour que ça marche, mais voilà. La création de jeux vidéo, ça prend du temps. Alors, on a nos petites cases ici, et on va pouvoir déposer les choses dans cette case. Ici, vous voyez que je peux cliquer là-bas, et il va me proposer des choses à mettre. Et on voit que il y a ce que j'ai proposé ici. Donc, drone, move left, right. Drone, backward, forward. Down, up. Left, right. Voilà, donc là on vient de dire, ça c'est ce qui va nous permettre de savoir ce que ça veut dire d'aller à gauche, à droite, devant, derrière, en haut, en bas, et à gauche. Maintenant il va falloir faire le petit code. Alors, ce qui se passe, c'est que pour pouvoir faire parler celui-là à celui-là de script, on a deux méthodes. On a soit des événements, soit juste faire une référence à ce script-là. Alors je vais vous montrer la référence à ce script-là, comme ça j'aurai pas à vous expliquer ce que c'est des événements. On va faire public pour dire on veut qu'on puisse accéder à cette donnée là. My first drone. What to affect. Ouais. What to affect, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux affecter. My first drone, c'est le nom du script qu'on a fait ensemble juste avant. Donc de ce petit. Hop, j'attends que ça charge. De ce petit bout là. Donc vous voyez que ça m'a créé une petite case ici, et je peux déposer le script que j'ai fait plus tôt. Vous voyez qu'on peut faire des références entre composants, entre scripts. Donc là, j'ai mes inputs, et là, j'ai ce que je veux affecter. What to affect, ceci. Ok, cool. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'abonner aux touches de clavier, de Xbox et autres. Donc pour pouvoir faire ça, on va dire awake, ça veut dire quand le script se met, awake en anglais, ça veut dire s'éveiller, s'éveille. Je veux dire que à cette action, là-bas, je veux que quand perform, c'est-à-dire quand elle a changé d'état, je veux faire quelque chose. Et quand elle s'arrête de bouger, quand elle s'arrête de faire quelque chose, je veux aussi faire une action. Ça, c'est cancel. Comment je connais tout ça? Ben parce que quand les inputs de Unity sont sortis, ben ils ont fait des tutos et des vidéos. Donc si je vais sur Unity, ici, si je fais Unity Input System, voilà, on va tomber sur le manuel de Unity. Le manuel de Unity nous dit « Hey, je suis un petit outil Unity, je suis bien sympa, je me permets de faire des systèmes pour bouger des objets. » Tu vas devoir définir un joueur, tu vas devoir lui dire qu'on peut bouger, regarder, attaquer, s'abaisser, sauter, et définir les propriétés. Et puis alors après, il y a tout un petit tutoriel qui permet de dire « Ah, il va falloir cliquer là-bas, il va devoir faire ceci, il va devoir faire cela, papapapapapap. » Et donc en gros, il y a plein de documentation qui explique comment tout ça fonctionne. Donc là, ce que je vous dis en accéléré, c'est tous ces documents-là que vous pouvez soit lire, soit aller regarder un YouTuber qui vous expliquera comment il a fait en lisant ces documents-là. Mais c'est plein d'informations sur qu'est-ce qui fait quoi. Est-ce que j'ai tout lu? Non, évidemment non, j'ai pas tout lu. J'ai lu ce que je pouvais pour comprendre, et selon mon temps, j'ai été loin ou pas. Parce qu'il y a trop de sujets à étudier. Mais donc du coup, grâce à ça, j'ai pu apprendre que si on demande... Si, par exemple, je pourrais demander à ChatGPT. Hein. ChatGPT, qui elle a lu toute la documentation, hein, là, directement. Si je dis à ChatGPT... comment utiliser ceci? Voilà, il me dit, ah, ça fait partie d'Unity, c'est trop cool. Ça, vous allez dans Asset, vous créez un Input Action System, vous ajoutez des trucs pour bouger, se sauter, etc.
Puis ici, vous allez créer un input action référence pour bouger. Vous allez l'activer et le désactiver quand l'objet apparaît. Et puis dans Update, vous allez pouvoir lire la donnée et l'utiliser. Par exemple ici. Alors vous voyez que lui, il a utilisé un vecteur 2, qui est un axe. Nous, on a utilisé des flottants. Donc on va utiliser des données de 0 à x avec des virgules. Donc du coup, c'est ce qu'on va faire. Donc c'est parti. UnEnable plutôt que UnAwake. UnEnable. Voilà. Alors, je vais le faire à sa manière, c'est pas la meilleure des manières, mais je vais le faire à sa manière, juste comme ça, vous aurez un aperçu. Voilà. Public void undisable, donc c'est-à-dire, si le script devient active dans le jeu, je fais ça. Si le script il est retiré du jeu, je le désactive. Parce qu'en fait, un objet dans Unity peut être... Là, il est actif. Là, il est désactivé. Là, il est activé. Là, il est désactivé. Pareil ici, on peut désactiver juste un script en particulier, genre ça, c'est le script de rendu. Ça, c'est le script de collision. Donc, on peut activer, désactiver des choses. Donc, on dit, si on active, si on désactive. Maintenant, ce qui se passe, c'est que dans le update, ici, on va pouvoir dire, si on a quelque chose qu'on peut affecter, c'est ça qui dit, si ça, c'est nul, on se barre. Parce que si on ne nous a pas donné un truc à affecter, ça ne sert à rien d'aller plus loin. On veut bouger. Alors, vous voyez que vu que lui, il est basé sur Copilot, qui est une IA, il me propose plus ou moins la même chose que l'autre. Hey, tu veux bouger un objet? Je vais te préparer un code. Et alors là, il fait lecture de une donnée. Est-ce qu'il a réussi? Ouais. Je suis pas fan. Mais l'idée y est. En gros, ici, il nous dit, je prends ton axe, je prends l'action et je lis la valeur flottante de son action. Mais nous, ce qu'on veut faire, c'est pas ça. Nous, ce qu'on veut faire, c'est ceci. What to affect? On avait préparé des petites variables qui s'appellent des percent. Vous vous souvenez des move percent ici qu'on avait fait ensemble? C'est ça qu'on va affecter. Donc on va dire que si je veux aller latéralement, voilà, je vais lire le fait de bouger de gauche à droite et je vais le mettre dedans. Comme ceci. Donc de gauche à droite, de derrière à devant, de bas en haut. Et de gauche à droite en rotation. Donc là, on va prendre nos axes, on va les lire, et on va affecter les petits pourcentages, ce qu'on faisait à la main, là. Au début, on faisait ça. Ben, c'est ça qu'on fait maintenant. On dit, tu prends la valeur du joystick ou du clavier, tu la lis et tu la donnes là-bas. Donc ici, backward, c'est... ici, c'est speed forward. Down, c'est vertical. Ici, c'est speed angle personne horizontal. Voilà. En gros, là, on vient de dire, hey, on active tout ça, et à chaque update, donc à chaque dessin de l'image, on va lire les données des joysticks et on va les stocker dans le script qui permet de bouger le drone. On sauvegarde. Voilà. Hop, hop, on revient dans Unity, on attend... Voilà, donc on a nos axes et on a ça. Alors peut-être que ça va marcher, mais il y a peut-être une étape en plus à faire. Ok, voilà. Donc en gros ici, vous voyez que si je bouge à droite, vous voyez que je me suis planté quelque part ici. Hop, je me suis planté à plusieurs endroits. Hop, vertical, backward, forward, backward, left, right, left, right. Horizontal, horizontal. Normalement, ça c'est bon. Ça, on est activé, c'est bon aussi. Donc, j'ai dû me planter dans l'autre. On va aller voir. On clique sur Input Drone. Ok, révisons. Left, right, c'est celui-là. Hop. Ouais. Y, down, up, c'est celui-là. Ok, non, non, c'est bon. C'est pas ici mon erreur. On va regarder ce que ça donne alors. On va réessayer. Je suis peut-être juste. En fait, il n'y a plus de batterie dans ma manette, donc du coup, elle a un peu du mal. Je vais essayer une autre manette pour voir.
Voilà, j'ai connecté mon autre manette. Parce que mon autre manette, je crois qu'elle est pétée, donc du coup. Bon, je vais chercher une pile, je reviens. Hop, une pile. Ah, il en faut deux. Le moins, il est là. Voilà. Voilà. Alors, je vais vers le dessus. Je tourne à gauche, je tourne à droite. Je vais derrière, je vais devant. Je vais à gauche, je vais à droite. Alors, le gauche et le droite, il n'a pas l'air de marcher. J'ai l'impression que je me suis trompé sur le gauche et droite. Ok, donc ici, gauche et droite. Ah, je me suis planté là. C'est pas grave. Ici, j'ai pas choisi le bon. C'est move left right, comme ceci. Voilà. Voilà. Et donc voilà, j'ai un magnifique drone qui permet d'avancer, tourner. Je peux aller en dessous ici. Oh yeah! Alors vous voyez que la caméra elle bouge pas parce qu'elle est dans le monde 3D. Elle est ici, là. Ce serait mieux si elle était sur notre drone. Mais si elle est sur notre drone, ça va être un peu rigide. Mais au moins ça va vous montrer un petit peu l'idée. Si je prends ma caméra et que je la dépose dans le drone, ici. Maintenant, elle est dépendante de ça. Donc, elle bouge avec son parent, qui est le drone là-bas, et que nous, on est en train de bouger. Donc, si je fais play, donc ici, je vais vers la droite, je vais vers le haut, je vais vers le bas, je vais vers l'avant. Alors, je peux pas aller plus loin vers l'avant, vu qu'il se prend le cube. Je vais derrière, et je peux tourner. Tain, magnifique. Maintenant, si je veux que ce soit un vrai drone, on va prendre notre cube. Hop. On va déjà lui donner une taille réaliste. Alors, un drone, c'est de 20 cm. Plus ou moins. Comme ceci. Voilà. Alors, notre fameux drone de 20 cm, généralement, les drones, ils sont plats. Donc, on va diminuer sa taille à 0,3 cm. Comme ceci. Maintenant, notre magnifique drone, il faut qu'il ait des petites hélices. Donc, on va rajouter des cylindres. Comme ceci. Alors le cylindre, on va ici choisir ça pour dire que on veut le diminuer de taille. Comme ceci. Voilà. On veut le déplacer par là-bas. On va agrandir encore un petit peu. On va le déplacer comme ceci. Maintenant, on prend ces deux-là. On les copie. Voilà. Alors, c'est pas très... J'ai pas pris le temps de bien les foutre correctement, je crois. On va essayer de les mettre par rapport à nos petites lignes qui sont là-bas. Donc, du coup, je vais supprimer ceux-là parce que je me suis planté. Voilà. Magnifique. Je vous présente un magnifique drone. C'est beau. C'est beau. Alors le problème, c'est de savoir dans quel sens il va. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais lui rajouter une petite lumière vers l'avant. Donc l'avant, c'est là-bas. Donc on va... Whoop. Comme ceci. Ouais, non, c'est pas idéal. Voilà. Donc ça, tout ça, c'est ce qu'on appelle le visuel, que je vais appeler ici mesh. Vous voyez que je vais mettre un petit objet qui s'appelle mesh en 0000 dans mon petit objet. Je vais prendre tous mes trucs ici que je vais appeler hélice ou blade. Voilà, je vais renommer tous ces objets là. Je vais les mettre dans mon mesh et pareil dans mon cube. Je vais les mettre comme ça. On les regroupe à un endroit qui est c'est là qu'il y a tous mes objets 3D. Du coup, maintenant j'ai un magnifique drone. C'est quand même plus marrant. Hop là, et voilà, gauche avant. Miaou! Magnifique.
C'est bon. On peut monter vers le dessus, on peut monter vers la gauche. Alors, la couleur d'arrière-fond, elle n'est pas super jolie, le bleu comme ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la caméra et on va aller mettre une autre petite couleur plus sympa. Donc, on va aller ici, on va dire pas la skybox, mais une solid color. Et on va changer la couleur pour qu'elle soit un peu plus gentille. Voilà. Ma caméra, on va l'approcher un peu parce que du coup, mon objet, il est devenu un peu loin. Voilà. Hop. Voilà. On va dire qu'on veut la bouger sur elle-même, vers l'avant. Hop, hop, hop. Comme ceci. Voilà. Magnifique. Notre drone, on va lui donner un petit peu de vitesse, histoire de s'amuser quand même. Voilà. De 10. Pour rigoler. Pour voir ce que ça donne. Play. Donc là, il avance de 10 cubes par seconde. Alors, vous voyez que quand on est sur le drone, c'est pas super, super lisible. Surtout quand on lui met autant de rotation et qu'il est verticalement. Donc, déjà, on va le mettre comme ceci. Et on va lui donner 180 degrés de rotation au maximum. Voilà. Magnifique. C'est pas beau. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ben en fait, un jeu. Basiquement, un jeu. Alors, pourquoi est-ce qu'il continue à bouger? Réfléchissons. Qu'est-ce qu'il me fait lui? Alors, à mon avis, c'est un problème de collision entre les cubes. Ouais, c'est ça. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est que mon rigid body, là, il a des collisions en interne avec ses propres objets. Donc, genre, il y a ces objets-là qui se touchent les uns les autres et qui le poussent ailleurs. Ce qui n'est pas idéal. On peut l'admettre. J'ai plusieurs solutions à ça. Soit je bloque toutes les positions en mode ballon, je veux pas être affecté par les forces. Soit je peux mettre un drag de 1 pour dire non, mais si on te met des forces, tu vas frotter sur l'air, tu vas frotter sur l'espace pour ne pas te faire éjecter trop loin. Voilà. Parce qu'en gros, ici, si je fonce dans le mur, je me chope une force qui va m'envoyer par là. Et donc, du coup, il faut que je puisse la contrer. C'est pour ça que j'ai rajouté du drag. Ok. Niaou. Du coup, maintenant, qu'est-ce qui serait cool? Ce serait d'ajouter un décor. Donc, par exemple, un sol, des arbres, des choses comme ça. Mais ça va être le cours de demain. Donc, ici, on est ici. On a fait notre truc, on a ajouté quatre axes. On les a fait tourner, monter. Voilà, on a bougé notre truc. Il traverse le décor, donc on a ajouté un rigid body, un collider. Magnifique, nous avons un drone qui bouge, on est content. Ajouter des input systèmes de Unity, c'est ce qu'on vient de faire. On a ajouté les petits scripts pour préparer tout ça. On a rajouté ça, on a fait en sorte que ça puisse se toucher les uns aux autres. On n'a pas utilisé l'Unity Event, on a utilisé directement le fait de déposer le code, mais on aurait pu utiliser des Unity Events. Ouais, bon, je vous montrerai dans une autre vidéo ce que c'est Unity Event. Mais là, on a fait un lien direct de script à script. Et on est content. Demain, si vous faites l'atelier suivant, hein, donc l'atelier suivant si vous n'êtes pas temporellement lié, on va faire autre chose. Alors je vais aller sur l'atelier. Hop, hop, hop. Alors tout ça, c'est des petits jeux Scratch que vous pouvez aller voir si vous voulez vous amuser de voir ce que j'avais fait. C'est tous des petits mini-jeux qui sont super sympas sur le fait d'avoir des collisions, sur le fait d'avoir des objets qui tournent, sur le fait de devoir suivre une ligne, d'avoir un petit drone qui va de haut en bas. Des choses comme ça. Et nous, ce qu'on cherchait surtout, c'était ceci. Non. Charleroi. Charleroi Street Air. Voilà. Nishio. Des ateliers de tous les jours. Nous, on est dans cet atelier-là pour le moment. Yop. Hier, on a installé normalement Unity, on a fait un petit cube et on a pris ce que c'était Unity en général. Aujourd'hui, on vient de bouger le drone.
Et dans la vidéo de demain, on apprendra à faire une scène. Donc on va apprendre ce que c'est l'Asset Store, un truc qui permet d'avoir des petits objets 3D qu'on peut déposer. On va apprendre ce que c'est le Package Manager, comme ça on va pouvoir déposer des outils pour faire des circuits. Et on va utiliser un peu ProBuilder l'après-midi pour apprendre à faire des décors, pour pouvoir faire des scènes dans lesquelles on va se déplacer. Et donc voilà un peu l'idée. Une fois qu'on aura fait tout ça, le jour suivant, on regardera un peu plus en profondeur ce que c'est des scripts, des codes comme on a fait aujourd'hui, pour faire des objets qui bougent, qui vont de droite à gauche, des moulins, des trucs qui bougent, des nuages qui bougent par-ci par-là, donc faire des choses qui bougent. Et vendredi, on regardera comment publier tout ça sur Itch.io, sur WebGL, peaufiner, des choses comme ça. Et donc voilà! J'espère que vous avez apprécié cette magnifique vidéo où je vous montre simplement comment on fait pour bouger un petit drone. Le code va être en ligne sur GitHub à ce nom-là. Et donc du coup, vous pouvez l'utiliser sans devoir le coder si vous avez vraiment la flemme de coder tout ça. Je vous conseille de le coder pour apprendre, pour pratiquer, pour entraîner votre mémoire musculaire. Mais le code sera en ligne. Et donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée, un bon code et bonne étude. Ciao, ciao!